Bon, vous êtes prêts? Vous êtes prêts ou vous n'êtes pas prêts? Alors ouais, je commence le live depuis 3 ans que j'ai arrêté et j'ai mon truc qui bug. Voilà, ça me gonfle. Ça me gonfle, ça me gonfle. Alors bonjour à tout le monde, tout ce qui est là. Vous inquiétez pas, vous allez me voir dans pas longtemps. Je vais juste m'occuper du son. Du son, est-ce qu'il fonctionne? Est-ce qu'il y a du son? Formidable. Il n'y a pas de son. C'est top. Alors attendez, on va se mettre juste, hop là, comme ça. Oh punaise, c'est tout fait à l'arrache. Tout fait à l'arrache. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas, parce que j'ai vu qu'il y avait des gens qui commençaient à rejoindre le chat, c'est pour la VOD de YouTube. Voilà, donc il va y avoir un intégral comme l'intégrale de Skyrim que je fais exactement. Donc tous ceux qui me connaissent sur le chat, salut tout le monde. Voilà. Ça fait un petit moment. Ouais, ça fait un petit moment que j'ai pas fait de live. On va démarrer tout ça. Là, vous avez ma webcam. Alors j'ai changé. Je sais même pas si ça va être trop bien. Ou alors il faudrait peut-être que je mette du blanc. Voilà. Je sais pas, j'en sais rien, voilà, dites-le moi, j'en sais que dalle. Bref, alors avant de commencer, vous n'aurez pas ma webcam pendant que je joue, tout simplement pour moi, bah, pour ma VOD, pour les gens qui me suivent sur la chaîne. Donc voilà, tout simplement. Donc on va faire début de VOD, je voulais juste voir qui c'est qu'il y avait. Je ne sais même pas si ce sont des bots ou pas. On a Drapsnat, Kata et 01 est là pour commencer. Je ne sais même pas si c'est des bots. Ça se trouve, je parle à des bots. C'est pas grave. C'était même pas prévu que je fasse un live. Ma communauté était au courant que je fasse un live, mais en fait, vu que j'ai eu la clé, c'était cette nuit par Bethesda. Donc en plus, c'est une sponsor Bethesda, mais ils ont été en retard. Il y a eu pas mal de soucis. C'est même pas moi en plus, ça a touché énormément de monde. Même des gros streamers et youtubeurs américains ont relayé ce que j'ai mis sur Twitter parce que j'étais un petit peu vénère. Pourtant, moi, à côté, bah, je suis rien, mais bon, ça fait plaisir. Donc, j'étais pas le seul. Bref, bah, les gars, on va lancer Starfield. J'espère qu'on a le son. C'est hyper bizarre qu'on ait pas le son. C'est hyper bizarre de fou. C'est un truc de dingue. D'habitude, il y a du son, non? Pourquoi il n'y a pas de son? Pourquoi il n'y a pas de son? Pourquoi il n'y a pas de son? Et c'est quand même dingue, hein. Il n'y a qu'à moi que ça arrive, hein. Pourquoi il n'y a pas de son? C'est un truc de dingue. D'habitude, il y a du son, hein. Mais putain, mais c'est dingue. J'avais le son juste avant, à moins que ça soit enlevé. Ouais, le son, je l'ai mis à 100%. Il est bien, il est nickel. Bah, je ne sais pas. Eh bien, écoutez, vous savez ce qu'on va faire? On va le relancer. On va le relancer. Vous allez avoir un écran noir. C'est pas grave, les enfants. Vous inquiétez pas. Ah non! Ah, ça y est. Alors attendez. Parce que moi, en plus, j'ai mis le 7.1 pour profiter du jeu. Mais c'est assez violent. J'espère que le son sera bon. On verra de toute façon. Je vais peut-être le baisser un peu. Mais comment ça se fait? J'ai. Voilà. Merci. Merci, merci. Forcément, normalement j'ai deux PC, mais vu que j'ai voulu tourner directement, il est là, il est éteint. Il faut que je fasse tous les réglages, donc on verra ça quand je pourrai. Eh bien écoutez, pour la VOD, on va commencer. Salut tout le monde, c'est Pixel. J'espère en tout cas que vous allez bien. Voilà, c'est ma première, je bafouille. Bref, on se retrouve pour l'intégrale de Starfield que je commence en live. Voilà, et pas en tournage classique. J'ai envie de le faire en live. J'espère en tout cas que ça vous fera plaisir. Et on va se lancer sans plus tarder parce qu'il y a du monde sur le live. Allez, c'est parti. Alors, tac. Oh là 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 là, ça va être chiant avec les coupures. Parfait. Parfait, parfait, parfait. Eh bien écoutez, nouveau jeu. Voulez-vous commencer une nouvelle partie? Oui. Si vous avez des problèmes de son, n'hésitez pas à me dire en commentaire. Ou enfin en commentaire. Dans le chat, putain, l'habitude de faire des VOD YouTube, c'est un truc de dingue. C'est un truc de dingue. Bethesda Game Studio. Oh, ça me fait penser, vous savez à quoi ça me fait penser? Ça me fait penser au début de Skyrim, à l'époque. J'ai essayé de le mettre à fond, on verra si ça passe. Normalement avec une 4070 et un 5900X Ryzen et 32 GB de RAM, ça devrait pouvoir le faire normalement. Date sol 7 mai 2000. Oh purée. Je vais baisser le son un peu. Je suis à la manette, hein. Et pas dans le film avec Tom Cruise et la momie, hein. La manette.
Ça s'appelait Amanette. Oh là là là. Étanchéité, ok. Oxygène, ok. Fais simplement comme la dernière fois et ça ira. Oublie pas de suivre ma règle de base. Heller, c'est quoi ma règle de base? Écoutez, Lynn. Oslin a toujours raison. Exactement. Écoute-moi. Le minage, c'est un boulot comme les autres. Lentement, mais sûrement. On progresse et on rentre chez soi les poches pleines de crédits. Ok. Ouais, carrément. C'est pareil que bosser dans le vaisseau. Sauf qu'il y a plus d'éboulements, de lasers et autres démembrements. Vraiment utile. Merci. Oh, tout ira bien. Votre première sortie était nickel. Et puis, soyons francs, pas besoin d'être ingénieur pour ça. C'est pour ça que je le garde. Il s'est bien motivé. Ouais, et parce que je peux repérer un gisement d'hélium à 300 mètres de profondeur. C'est pas faux. C'est dommage qu'on n'en trouve pas ici. Mais grâce au gisement de métal, on pourra payer notre propre hélium. Et puis après ça, on aura assez de carburant pour passer d'un des systèmes occupés à l'autre sans problème. Eh, plus de minéraux, plus d'argent. Et ainsi, le cycle se répète. Juste, plus d'expéditions non autorisées dans le territoire Varun, d'accord? C'est qu'un grand bébé. Il y a des métiers plus pénibles. Tu sais, la plupart des poudreux ne vivent pas aussi longtemps. J'ai un bon pressentiment pour toi. On se fait un câlin de groupe ou après le boulot? Un de ces jours et l'heure. Je vais vraiment te laisser sur place. Et encore des promesses. Ok, bah c'est très beau déjà. Très beau, très beau. Oh là 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 là. Oh, comme un dingue. Alors utilisez LS pour vous déplacer, d'accord. Oh, l'ambiance. Ok, donc là ils viennent de me dire de faire attention. On peut pas enlever le casque, autrement bah, on va être dans la mouise intersidérale. Ah, j'ai mon perso qui bouge tout seul. Merci ma manette. Il va falloir que je vois au niveau de mes autres manettes. Bon, bref, c'est pas grave. J'espère en tout cas. Alors attendez, que le micro est plutôt pas mal parce que quand je parle pas. Je vois la réglette bouger. Alors, il faudrait peut-être que je le règle. Alors, attendez. Hop. Je vais régler ça juste 2 secondes. Hop là. Voilà. Ça devrait pouvoir le faire, ça. J'ai mis mon gain d'entrée, enregistré les paramètres. Tac, tac. On est reparti. Hop, juste avant. Voilà. C'est reparti. Mais écoutez, c'est beau, c'est beau, c'est beau. Est-ce qu'on a une lampe torche? On n'a rien. On a la croix directionnelle pour gérer comme dans Skyrim. De toute façon, on verra pour gérer notre personnage plus tard, parce que pour le moment, ça fait un petit peu comme Skyrim. On a un personnage, on ne sait pas, on est au tout début. Eh bien, écoutez. Il y a peut-être sans doute rien à faire, on va avancer. En tout cas, c'est beau. C'est magnifique. Ah, il y a du monde, d'accord. On a du monde sur qui est en train de miner. On est dans quoi? On est sur une planète, un astéroïde? Voilà l'ambiance, voilà les machins. Truc de dingue. Hein. D'accord. Donc, tous ces mecs-là, ce sont des poudreux.
Donc des poudreux, c'est ceux qui cherchent les minerais, hein, de ce que j'essaye de comprendre. C'est un peu péjoratif quand même, les poudreux. Ça fait un peu genre... un peu les drogués de l'espace, quoi. Ça, c'est pour moi. Alors, c'est moi qui mets du temps à bouger, hein. Je sais, il y en a, ils aiment bien que ça aille vite et tout, mais pas moi. Moi, je prends mon temps, comme Yves, bien entendu, et j'aime bien profiter du jeu. De toute façon, les abonnés ont l'habitude. Oh là 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 là. Bon, eh bien, écoutez. Tu penses qu'on a bientôt fini ? C'est pas genre dangereux. Parce que si on tombe sur une veine de gaz ou non. Bon, après, c'est des lasers. Enfin, bon, bref, je me pose sûrement trop de questions. Par contre, ils ont du pognon pour avoir autant de mecs, comme moi, en fait. Ils t'ont fait croire à leur super brochure. On peut lui parler. Personne d'autre à déranger. Non, mais calmez-vous, les gars. Les poteaux, là, je viens d'arriver. Je me fais engueuler. Bon, c'est pas grave. Ils ont l'air pas super contents d'être ici, hein. On verra bien. On a un anonyme parmi tant d'autres. C'est l'heure. Suis-moi. Ok. Ok. On y va. Dans tous les cas, on a une arme qui se recharge automatiquement. Je sais pas si elle fait des dégâts. Ah ouais. Ouais, ça me fait penser à... Die Hard 3 dans la banque. Ça, c'est du matos, ça. C'est bon ? Vous êtes calmé ? C'est bon ? C'est bon, c'est bon ? Oula ! On y va ! Oh la vache ! Oula ! Oula ! Oula, d'accord. C'est soit une sauvegarde automatique, soit ça a bugué. J'en sais rien. Et on cherche quoi là ? Détends-toi, c'est un boulot comme un autre. On y va. Ouais, mais on cherche quoi ? Parce que là, pour le moment, on suit donc le superviseur Lynn et l'heure qui est devant. Tout est juste. Lynn, il y a quelque chose qui déconne à fond. C'est où, Heller ? Par là, je crois. Ok, toi, à toi de jouer. Si ça tourne mal, on viendra te chercher. D'accord, donc ouais, je disais, j'essaye de comprendre, hein, j'essaye de mettre dans le jeu, donc c'est normal, hein, je connais rien pour le moment, donc j'essaye de comprendre un petit peu ce qui se passe. On est qui ? Enfin, pour le moment, on n'a pas fait notre perso, mais on est qui ? On est un mec qui bosse pour eux ? Mais on a un poudreux, hein, on fait partie des poudreux ou des poudrieux ou enfin voilà de cette classe-là de société qui cherche des minerais parce qu'elle nous a dit qu'ils n'avaient pas une espérance de vie très élevée mais qu'elle a un bon pressentiment pour nous. Mais par contre, pourquoi on les suit ? Pourquoi elle ne m'a pas mis avec les autres ? Bon, ça c'est sûrement pour avoir du lore, hein, autrement on passerait notre journée à miner. Mais vous ne pouvez pas y aller, non ? Parce que c'est vous qui êtes super bien payé, c'est pas moi. Bon, et eh bien écoutez... Oh là là. LB. Parfait. Au moins, j'y vois un peu mieux dans ce trou. Ok, ils vont pas bouger. Bon. Si on trouve des minerais, enfin des minéraux, on va les prendre. Continuez comme ça. Ça en est, ça ? Ouais, ça en est. Du beryllium. Écoutez, je prends. Même si on est dans la mission de base, hein. Enfin, le début de cette mission. Je prends parce que j'en suis sûr qu'on va avoir besoin. Plus tard. De toute façon, c'est un intégral. Un intégral de fou. Tu vois quelque chose ? Ah. C'est grand, quoi. D'accord, on peut pas le miner. Ça, on peut le miner. Je sais, je vais y aller. Ah bon, on peut pas miner, d'accord. Bon, ok. Le jeu veut vraiment qu'on y aille. C'est quoi ce bordel ? C'est normal que la gravité... Hein. Bon, et puis merde, hein, de toute façon. Il parlait d'une grosse gravité. Prendre.
Oh là là. Eh ben. Briser le gisement, comme ça. Ok. C'est pas du minerai, ça. Mais là. On aurait dit un programme informatique. Vous voyez ce que je veux dire? Moi, c'est ce que ça m'a fait penser à ça. What the fuck? Le rond de Starfield. Qu'est-ce qui se passe? Doucement. Vous m'avez laissé, quoi, les gars? Vous étiez dans les vapes. Pas de blessure physique. Mentalement, ça reste à vérifier. Vous savez qui vous êtes? La nouvelle recrue d'Argos Extractor. Ça vous parle? Non. Enfin, ça doit être ça, hein. Quelque chose. En tout cas, j'ai vu, elle avait le truc dans la main. Le truc qui nous a fait péter un câble. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Sélectionner un profil. Oh la vache, il y en a plein. Alors là, ça va être... On va passer du temps. On va passer du temps parce que je veux faire un truc plutôt stylé. Oh punaise. Ça fait penser à ça. Par contre, ils se sont vachement améliorés. Je sais qu'il y en a beaucoup qui disent « Ah non, non, c'est moche et tout. » Ah, mais les gars... Oh putain, on dirait le mec de Stranger Things. Dans le 3, le frère là qui fume et tout. Là. Merde, comment il s'appelle? Le mec complètement désagréable. Ah non, ils se sont bien, bien améliorés. Bon, après, les moustaches et les cheveux, c'est pas encore ça, mais... N'importe quel jeu a du mal avec ça. Hein. La plupart du temps, ceux où vous voyez que c'est super bien fait, hormis Tomb Raider, c'est de la poudre aux yeux, hein, les gars. Des fois, c'est des skins du dessus, en fait. C'est un skin qui bouge. Et en fait, il n'y a pas de cheveux à proprement parler. Que là, on voit qu'il y a quand même des cheveux, vous voyez. Alors, ouais, on voit, c'est pas un skin juste pour faire beau, quoi. Ils ont leur propre, de toute façon, techno pour les cheveux, mais je trouve que c'est pas... Ça démérite pas. Après, c'est mon avis, mais les personnages sont vraiment, vraiment, vraiment stylés. Ah ouais, on peut vraiment faire de tout. Je vais passer un peu de temps là-dessus, hein. Je suis désolé. Ah, c'est celui-là qu'on a vu dans la démo. Je suis désolé, hein, parce qu'il y en a qui vont vouloir le jeu. Je pense que déjà, il y en a beaucoup qui ont été spoilés, parce qu'il y a plein de monde qui tourne depuis ce matin. Cette tête. Ce mec qui va te raser de près. Y avez-vous rasé la barbe, monsieur? Bon, et ben, hormis la K-pop, y avait un personnage qui me plaisait. Pas lui, hein, bien entendu. Il y avait un personnage, voilà. Le mec random, on va prendre le random man. Corps. Alors, athlétique, comment que ça marche? Ah, d'accord, ok. On va essayer de faire un truc un peu pété. Faire un truc... Je sais pas si ça a une incidence sur notre perso plus tard. Je ne sais pas. Je ne sais pas. On va le mettre comme ça. Ah oui, on peut faire une femme ou un homme. Non, non, on va faire un homme. La démarche, on a quoi? Ok, d'accord. Teinte de peau. On va mettre la deuxième. Je vois pas pourquoi je l'ai changé. Le visage. Alors, la teinte de peau, de toute façon, ça sert à rien de la changer parce qu'on a fait tout le corps et ça serait complètement dégueulasse. Forme du visage. Putain, cette tête. Sylvain Durif, quoi. On va essayer de faire un truc un peu qualitatif. Il a un très gros front. Là, c'est mieux. C'est plus proportionné. Vous voyez, là? Là, on dirait l'acteur dans... Merde, comment il s'appelle? Dans Malcolm, là, ouais, le frère, là, qui a un haut front de ouf. Cheveux. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a parlé des cheveux juste avant. Donc, on a les coupes de footballeurs. Ouais... c'est pas ce qui m'intéresse. Oh putain, cette coupe. Oh là là, ce swag. Ce swag de fou. Moi, ce que j'aimerais bien, c'est... déjà, ça, c'est à peu près ma coupe de cheveux que j'ai en temps réel. Qui ne ressemble à rien, bien entendu. Vous avez vu, j'ai un épi de ouf.
Ah, punaise, c'est Mauresmo, quoi. Je suis désolé. Non, bah, on va prendre celui-là. Celui-là est plutôt pas mal. J'aime beaucoup. Couleur des cheveux. C'est pas mal, ça. Pilosité faciale. Ouais, je vois ce qu'ils veulent dire avec les personnages. Ils ont des moustaches. On pourrait avoir juste des bacchantes. Oula, je shoote le micro. Juste des bacchantes. Putain, on dirait Astrono Geek. Entreprise Kerbier, peinture et plus, quoi. Ah, punaise. L'entreprise Kirby, quoi. Ah là là là, mais c'est bizarre là, pourquoi? Je regarde. On est mieux là, niveau moustache là? J'arrive pas à voir laquelle est. Ouais, on est plutôt pas mal. Allez, moi je lui fais une moustache, mon gars. Une moustache. Ah voilà, là on peut mélanger des formes, mélanger des machins. Voilà, et puis on va faire Kirby, peinture et plus. Hein. Je vous invite à regarder Jurassic Park 3. Couleur des yeux. Moi j'aime bien les yeux verts parce que c'est ce que. Oh, purée. Les yeux verts sont plutôt stylés. Par contre, on n'a pas de musique. Hein. C'est l'austérité totale dans le menu. Hein. Sourcils. C'est Texas Rangers, quoi. Le seul problème. J'essaye de mettre les couleurs correctement. Ouais, c'est plutôt pas mal. Voilà, le seul problème, c'est déjà le front qui est un proéminent de ouf. On peut vraiment faire ce qu'on veut, hein. C'est un truc de dingue. Hein. C'est vraiment très poussé, hein. Je suis très content. Problème, c'est la bouche qui voit pas, quoi. Il a une tête, mais énorme. Il faudrait peut-être déjà. Non, celle-là était bien. Ça, je vais pas y toucher. Les joues. Celui-là est pas mal. La bouche. Oh là là, celle-là, elle est masterclass. Attends, on peut lui mettre les dents pourries, mais non, on va pas lui mettre les dents pourries. On va mettre les dents deux. Voilà. Mâchoire. Par contre, voilà, c'est le problème, c'est est-ce qu'on peut régler plus que ça? Parce que je vois mélange des formes. Le menton. Oh là là, le menton. Il fait tout le menton. J'essaye de te faire un acteur américain, voilà. Ça, c'est pas mal. Celui-là est un peu trop. Péter les enfants. Celui-là est pas mal, hein. Celui-là, il est overkill, hein. Celui-là est overkill de fou, hein. Bijoux, maintenant, on va pas lui mettre des bijoux. On va arrêter. Arrêter les conneries. Par contre, c'est la bouche. La bouche. La bouche est bien, je pense. La bouche est bien. C'est sans doute la mâchoire, en fait. Ouais, c'est pas mal. C'est pas mal, les enfants. On a dit quoi? Alors, attendez. Dersmétique. Bijoux. Couleur des bijoux. On s'en fout. Dersmétique, c'est quoi? Ah oui, c'est la couleur de. Voilà, on va le mettre comme ça. Couleur de peau. Non, on ne touche pas. Défaut de la peau. On peut avoir des cicatrices ou un. Ou ça va être genre que des verrues? Ouais, non, là, il fait peur, là. Je veux pas non plus qu'il soit couvert de rides. Vous voyez ce que je veux dire? On va remettre cicatrice. C'était juste en dessous, j'avais pas vu. Vu qu'on a eu un petit accident, on pourrait dire qu'on est tombé en même temps. Ça pourrait être RP dans le truc. Putain, ils ont mis Joker. Non, mais arrêtez, les gars. Ils mettent tout le temps ça, quoi. C'est chiant. C'est chiant, c'est bon. Moi, je suis très peu comics, hein. Je vous le dis. Tiens, on va laisser ça comme ça, c'est plutôt pas mal. Forme faciale. C'est quoi forme faciale? Putain, je t'ai fait un perso, moi. Ah ouais, d'accord.
C'est vraiment les cernes, quoi. Ouais, ça m'intéresse pas trop de lui mettre des cernes de ouf. Tatouage. Joue. Ouais. Joue 2. Ouais. Base de rouge à lèvres. Non, bon, on va pas lui mettre de rouge à lèvres. Fard à paupières. Fard à paupières. Crasse. Ah, on pourrait. Ouais, mais non, 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 non. Ouais. Voilà. Alors là, on va rentrer dans le vif du sujet. Putain, ce masterclass. Oh punaise! Alors, qu'est-ce qu'on pourrait être? Alors, agriculteur, a découvert de nombreuses planètes et lunes riches en oxygène dans les systèmes occupés ont permis aux humains de s'installer un peu partout à condition de disposer d'un. Ok. Donc là, c'est typique géologie. Ok, on a la chasse des Asterniens. Ce n'est pas la fin qui vous manque. Ouais, chasseur de primes. Crapule de l'espace. Cybernétique. Diplomate. Ça pourrait être intéressant, le diplomate, ne serait-ce que pour le commerce. On a quoi, là? Enseignement. Ouais. Disposer de technologies avancées. Ouais. C'est exploration, les lasers. La grande cuisine, on peut être cuisinier. Industrie. Sécurité. Mécanisme de verrouillage numérique standardisé. Ah, ça peut être pas mal, ça. Médecine de combat, ouais, les médecins, mais ça m'intéresse pas plus que ça. Piratage m'intéresse parce que j'aimerais bien jouer furtivité. J'adore jouer la furtivité. Le seul problème, c'est qu'à ce qui paraît, alors je prends avec des pincettes, à ce qui paraît, la furtivité, et c'est pas trop le fort du jeu, quoi. Pèlerinage, j'aime bien la furtivité sur les jeux Heroic Fantasy parce que j'adore l'arc, j'adore les dagues et c'est facile de faire de la furtivité. Par contre, là, j'imagine qu'on va se retrouver avec des formes aliens de ouf. La furtivité, voilà. Sculpture, connaissance anatomique, ouais. Service de sécurité, box sécurité forme, ouais. Soldat, ça doit être le truc de base, quoi. Certification jetpack, ouais. Transport, vie de crime, certificat fusil à pompe, voix du Ronin. Oh non, mais t'es sérieux, le Ronin. Xénobiologie, ça est non trouvé, ok. Moi, ce qui m'intéresserait, il y a franchement la persuasion qui m'intéresse. L'industrie, du moins. L'industriel m'intéresse énormément. À une époque, vous n'aviez qu'une idée en tête, devenir un géant de l'industrie ou peut-être concepteur de vaisseaux ou cadre d'une méga-corporation. Heureusement, ces compétences ne sont jamais perdues, un système. Donc on a la persuasion, qui est très bien, sécurité, qui est très bien, méthodologie, en ayant recours aussi bien à des méthodes éprouvées qu'innovantes, les chercheurs peuvent mener leurs projets bien plus rapidement et même avoir de nouvelles idées inattendues. Allez, c'est parti. On fait ça. On se met dans l'industrie et les traits. Alors, les traits. ADN alien, vous avez signé pour participer à une expérience controversée mélangée à... Vous débutez votre aventure avec des points de vie plus élevés, d'accord. Adulation héroïque. Vous avez gagné l'admiration d'un fan dévoué. Non, j'ai pas envie. Ça va être très chiant. Je sais ce que c'est. Merci, Oblivion. On peut en prendre 3. Ok, on a empathique. Ah ouais, d'accord, ok. Alors déjà, l'empathie, ouais. Allez, vas-y, on met l'empathie parce que je le suis. Extraversion, vous êtes très sociable. Les efforts physiques consomment moins d'oxygène lorsque vous voyagez avec des compagnons humains. Ouais, parce que je veux un compagnon humain. Maison de rêve, vous êtes pas sur une... Mais vous avez un prêt... Ah ouais, non, c'est pété, moi, non. Vous avez accès à des dialogues supplémentaires à la Confédération, non. Rat des rues de Néon. Vous avez grandi à la Durne, hein. Cela vous donne accès à l'option d'Alexé, hein. Ouais, non. Vous ne parvenez pas à vous écamiter à l'espace. Vos points de vie et votre oxygène sont augmentés. Mais réduit... Ah ouais, non, ça s'est pété. Tyran, de temps, je peux être empathique avec une extraversion. Enfin, en étant extraversion, donc ça veut dire avec des gens, mais je suis un tyran. De temps en temps, si vous avez des membres d'équipage spécialisés dans certains vaisseaux, le système se réparera automatiquement. Ouais. Ah ouais, 2 fois plus cher, bah oui, ils veulent pas venir bosser avec moi, sauf grosse prime, quoi. Votre corps, c'est parti, hein, éducation de lumière. Toute votre vie, vous avez vénéré le grand serpent, les estrois. Éducation de lumière, c'est toute votre vie, vous êtes. Ah ouais, mais non, je vais pas l'enlever, parce que moi, j'aimerais bien avoir toutes les éducations de fou. Par contre, là, il y a un problème. Il y a un problème. Maison de vos rêves. Ah, ça m'énerve, quoi. Ça m'énerve parce que...
Bon, on va mettre tyran. Allez, voilà. C'est le seul qui va pas me bloquer dans... Vous voyez, là, ça bloque les autres traits de traits religieux et tout. C'est chiant parce que bah, je connais pas ce qu'il y a comme lore. Et si je bloque mon lore dès le départ, ça va pas le faire. Eh bien, écoutez, là, on est bien. Fini. On a tout. Antécédent. Nom du joueur. Ah oui, c'est vrai, on doit changer notre nom. Nom du joueur. Eh ben on va mettre Pixel, hein, de toute façon, on est là pour ça. Pixel, ok. Pronom. Ah ouais, ils se sont amusés à... D'accord. Il, lui, eh ben oui, confirmé. C'est parti. Ah oui, ta carrière, c'est de vraies montagnes russes. Ça nous avait étonné quand t'as signé. De l'industrie spatiale au minage d'astéroïdes. Bon... Il y avait quoi de drôle là? Le client est en route, on va pouvoir être payé. Tu te souviens de ce qui s'est passé? Ouais. Je me souviens une espèce de vision qui ressemblait un petit peu à un programme informatique. Et vu que je viens de l'industrie, voilà, dans mon lore. C'est... Oula, doucement avec les alus. Les endorphines ont dû te faire de l'effet pendant que t'étais KO. Non, non. Va pas me claquer dans les pattes maintenant. C'était juste quand j'ai touché ce que t'as dans les mains. En tout cas, on a obtenu. Et elle a pas d'alu, elle ? Tout ce bazar pour cette babiole ridicule. On dirait pas que ça a de la valeur. On s'en fiche de son apparence. Ça vaut plus que tout ce qu'on a excavé ce mois-ci. On va être... Tiens, quand on parle du loup... J'ai rien pipé. Pour permuter à la vue première et troisième personne. Regardez-moi ce personnage, les enfants. On a... comment il s'appelle, putain? Ah, Monsieur Kirby, peinture et plus. Attendez, le groupe d'explorateurs? Je croyais que c'était plus une blague qu'autre chose. C'est pas une blague. T'es juste trop jeune pour tout savoir. Et je dis simplement qu'ils ont une certaine réputation. Sérieux, je parie que la moitié de l'équipage pense qu'il s'agit d'une légende urbaine. La moitié de l'équipage pense que la Terre est une légende urbaine. Et pourtant, elle existe toujours. Ah oui, tiens d'ailleurs, elle est devenue quoi? D'accord, mais explorer l'espace, qui fait encore ça de nos jours? L'espace découvert est déjà suffisamment compliqué comme ça, non? Pas pour eux, apparemment. De quoi? J'ai pas trop compris, là. Bon, on va comprendre au fur et à mesure. Au sas, mets ton casque. Ouais, bah... Calmez-vous, quoi. Appuyez sur... alors, c'est quoi? J'ai pas compris. Oh, putain, cette tête! Cette tête, les enfants! Un petit pas, équipez-vous du casque. Comment je fais pour m'occuper? Bah, ils me disent d'aller dans mon... Équipez-vous. C'est où? Ah, c'est là? Attendez. Découpeuse, combinaison, casque. Rien équipé, d'accord, c'est ça. Casque spatial. C'est bon. Voilà, j'ai mon casque. Par contre, c'est dommage qu'on voit pas un HUD sur le casque. Oh purée, c'est Fallout. C'est Fallout, les enfants. Oh là 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 là. Oh là là, et il y a quand même des petits freezes. Hein, quand même. Sur un 5900X et une 4070 et 32 GB de RAM, hein, les enfants. Je préfère vous le dire. Ah! C'est eux là qui arrivent? Les Explorators? Bah écoutez. Oh! Un mecha. C'est impressionnant par contre, hein. Franchement. C'est bon? Retrouver le client. Un petit pas. Eh bah écoutez. On y va tranquillement. Je sais qu'il y en a qui vont rush, mais moi je ne rush pas. Je n'ai pas envie de me faire avoir. Par contre, on voit tous les modules qui a. Qui... tous les modules assemblés, ça. C'est dommage. Barrette. Ils se connaissent ? C'est quoi ce bruit? Oh là! Cette mine sur Bindi, c'est ça? Casal, un trou infernal, comme cet endroit. Contrat de minéraux rares.
tes goûts sont un peu plus sophistiqués maintenant, non? Alors, t'as trouvé quelque chose? Tiens, c'est la nouvelle recrue qui l'a dégotée. Vraiment? Et tout s'est bien passé? Non, pas vraiment, non. Quand on a extrait ces minéraux sur Bindi? Kazal, et non Barrett. Ça s'est pas bien passé. Notre chère recrue s'est évanouie après l'extraction, et elle s'est réveillée en racontant des conneries. Ah bah merci, ah bon, me fait insulter. T'as vécu un petit trip, hein. Comment est-ce que vous savez ça? Après, l'autre vient de lui dire, mais on lui a jamais parlé de trip. Eh bien, on peut dire que les possibilités infinies de l'univers sont pleines de tout, sauf de coïncidences. Ça veut rien dire, ça répond pas à ma question. Eh bien, écoutez... Il m'a pas répondu, je vais pas lui répondre. D'accord. Un peu décevant, je vais pas vous mentir, mais une révélation d'un mystère de l'espace n'est pas forcément une partie de plaisir. Je comprends. Ah mec, tu m'as pas répondu. Je serai ravi de plus jamais revoir cette chose. Ou même toi. C'est pour ça que je t'adore, Lynn. Les affaires, rien que les affaires. Arrête. Les scanners de l'Argo indiquent qu'un vaisseau descend à toute vitesse. Où ça? Ah, je pensais vraiment les avoir semés. De quoi? Il a ramené du monde? Il est sérieux, lui? C'est quoi la flotte écarlate? Qu'est-ce qui se passe? Ouais, la vache! Faut que je prenne des armes, c'est ça? Prendre. Comment je fais? Merci. Découpeuse, non, il va me falloir... c'est ça, mon arme? Ça fait 4 de dégâts énergétiques et là, 10 de dégâts physiques. Je peux le mettre en favori au cas où. Ça, je vais mettre en favori là, sur ce côté-là. Ok. Bon. Je sais pas pourquoi ils prennent tous leurs armes et ils ont l'air tous... comment on fait pour... Ah oui, mais comment on se met à couvert? Comment on se met à... Ouais, les mecs, ils vont pas sortir comme ça. Ils sont accueillis direct. Ah ouais, d'accord. Ça commence. Touché. Je fais zéro dégâts. Je fais zéro... Oh, allez, allez. Edin, déjà. Ok. Allez. Ça, c'est fait. Ça va, j'ai encore des munitions. C'est bon? Je cours. Ça, c'est bon. Je vais essayer de le contourner. Et voilà, parfait. Oh, je lui ai tiré dans le dos, il s'est tenu le dos. Oh, c'est bien foutu. Allez. Un critique. Et voilà. Ouh, parfait. Retenez les pirates. C'est bon? Attendez, je vais looter juste avant. Crédit. Je sais pas du tout ce que c'est, je prends, mais... Maelstrom. Je prends, on verra. Attendez, parce qu'eux, ils vont me parler, je vais me retrouver bloqué après. Je prends. Une découpeuse, il y a quelqu'un qui est mort? On a tué un... Oh non... Ça va, toi? Merde, j'ai double appuyé. Hein. Ça a pas bugué, c'est moi qui ai double appuyé. Ok, kit de soins. Et on en a tué un qui était ici. Par contre, il y a un truc qui est super bien. C'est que ça fait un peu comme GTA, maintenant. C'est que quand tu les tues, ils sont pas en mode en train de sauter. Il y a vraiment une continuité de la ragdoll, vous voyez. C'est pas bugué. D'accord, pour ce... D'accord. Bon, j'essaye de voir. Voilà, c'est pour me mettre accroupi. Parfait. On a des trucs en plus. Au niveau des armes. J'ai... Oh, j'ai des haches. Elles se pètent pas, hein. Ouais, d'accord. Hein. J'en jette deux. J'en jette. Donc, favori. Corps à corps là-haut. Ma deuxième arme ici. Par contre, j'ai que... Je crois que j'ai pas beaucoup de munitions aussi. Oh, pas grave. Combinaison de minage, combinaison d'assaut,
Alors, il va falloir que j'apprenne. Hein. Le physique, ouais, l'énergie, c'est pour courir, c'est ça? Ah, on peut vraiment... Elle vaut plus cher, par contre, moins en radiation. Ouais. On la revendra, écoute. Hein. On la revendra. Voilà. Allez, servez-vous, les gars. C'est rien que pour vous, ça. C'est bon? Putain, le mec aurait pu faire gaffe, quoi. Et il fait... Tu fais jamais gaffe, gars? Ça, c'était du beau boulot. Oh putain, la labiale qui est partie. Vous avez déterré l'artefact, non? Ça veut dire que vous avez vu les visions. Vous venez avec moi à Constellation. Vous faites partie de tout ça, maintenant. Il est sérieux, là? Bah ouais, Bah non. Non, je le connais pas. Non. Et je voulais pas trop mettre ça sur le tapis, mais on sait pas exactement ce que l'artefact a pu faire à votre tête. Et Constellation est la seule organisation en mesure de vous aider. Mais ça marchera pas. Oh non, Barrett, non. Tu crois vraiment pouvoir filer d'ici après le foutoir que t'as provoqué? Ah, c'est vrai. Je vous ai mis la flotte écarlate à dos. Si on disait que je reste et que j'envoie ton poudreux à ma place. Je sais. Mais il a mieux à faire que miner maintenant. Quand sa main a touché ce rocher, quelque chose a changé. Me dis pas que tu l'as pas senti. Ok, c'est bon. Allez, fichez-moi le conduit. Je pense qu'elle en a juste rien à foutre. Je pense. Merci pour tout, Lynn. Non. Non, parce que déjà je la connais pas. Non. Et la mine, vous n'avez pas besoin de moi. C'est le mec qui veut se rattacher. Non, c'est pas mon boulot. Vous comprenez pas? C'est fini pour vous de bosser ici. Vous devez parler avec ces explorateurs, que ça vous plaise ou non. Mais j'ai pas envie. Je sais, hein, y en a beaucoup qui vont dire ouais, machin et tout. Bah ouais, mais. Bien, maintenant que ce problème est réglé. Je sais que je vais être obligé, mais. Mets le cap sur la loge. Que c'est le truc principal, mais quand même. Compris? Protocole Indigo. Indigo? Encore? Très bien. Tenez, prenez ça. Ça vous sera très utile. Ça permet même de savoir l'heure. Et une montre? Oh, la montre du collector? Oh, mon dieu. Bon, en tout cas, c'est... Merci. Mais... Regardez ça. La montre vous va parfaitement. Des questions? Bah, c'est des tailles uniques dans tous les cas, donc oui, forcément. Pourquoi moi? Ce n'est pas plutôt vous qui deviez y aller? Vous me donnez votre vaisseau. Qui êtes-vous? C'est quoi Constellation? Sur quoi on a mis la main exactement? Pourquoi là? Ouais, tiens, déjà, pourquoi la flotte écarlate, vous poursuivez? Oui, ça n'a pas du gain comme tous les pirates. Ouais, mais... une certaine réputation de, disons, aimant à butin. J'ai plutôt mon idée... Ouais, aimant à butin, ouais, je pense... Ouais, ça rejoint ce qu'il dit, mais... Il doit ramener pas mal de merde, il doit être suivi. Le truc, c'est que si on le laisse là, enfin du moins s'il reste là, ils vont se refaire attaquer. Peut-être pas avec un seul vaisseau. Enfin bon. C'est quoi ce bout de métal que j'ai ramené? Ah, c'est bien là la question à 1 million de crédits. Et Constellation peut trouver la réponse, avec votre aide. Je pense que c'est surtout avec mon aide, parce que tant vous auriez trouvé la réponse depuis un moment. Alors, vous êtes qui, par contre? Vous voyez, c'est ça le problème des systèmes occupés. C'est trop facile de se contenter du superficiel. Pendant que le reste du secteur ne pense qu'à ses intrigues politiques, nous bravons l'inconnu et nous explorons l'immensité de l'espace. Ouais, ça, j'avais compris. La galaxie ne serait qu'une grande pièce plongée dans le noir. Mais il répond pas à mes questions, en fait. Je lui demande qui il est. C'est quoi Constellation? Et il me dit juste, grâce à nous, les systèmes, ils sont pas dans le noir, mais... Bon, il répond à aucune de mes questions. Techniquement, il est même pas à moi. Appelons ça après. Oh non, tu l'as piqué à qui, quoi? Et puis, je fais une exception dans votre cas, puisque vous pouvez parler de votre vision à Constellation. Pourquoi moi? Ouais, je vais le dire, même si c'est un peu stupide. Pourquoi moi? Parce que j'ai la vision, mais... Vous voulez pas en savoir plus sur le spectacle son et lumière que vous avez subi? Pourquoi ça n'a affecté que vous? Au cas où vous l'auriez pas remarqué, on l'a tous manipulé depuis sans aucun problème. Ouais, c'est ce que je me suis dit au début, ouais. Lynn l'avait dans les mains. Ils ont également besoin de vous. Ce mystère ne cesse de s'épaissir, et vous en êtes une pièce essentielle. Ok. Et Vasco, je veux pas une seule égratignure sur la coque. J'ai...
Attends, Vasco. Vascularite. Est-ce qu'on peut remonter là? Est-ce qu'on peut. On peut pas. Merde. C'est très Fallout. Hein. T'as vu Lynn? Elle a foncé sur ces pirates sans se poser de questions. Ouais, ouais, ouais. Le problème, c'est que. Ouais, il va falloir. Alors, scanner les créatures. Non, c'est pas ça que je voulais faire. Je voulais courir et je sais pas du tout comment. Ah, là, ok, c'est comme ça qu'on court. Oh putain, c'est beau. Attendez, je vais monter là-haut. Je sais, mais c'est ça, Starfield, c'est se balader, faire des trucs, voilà, voilà. Oh, je peux scanner ça? C'est de l'argon? Ah, c'est du gaz radio. Oh, d'accord, oui. Bon, en même temps, un pixel, ça fait de la fumée. Ah, oui, oui, bon. Calmos. Oh, la vache! Il n'y a rien d'autre, c'est juste un caillou abandonné là, sur une planète. Un caillou abandonné, c'est juste une base abandonnée sur la planète. Il n'y a rien là. Ça m'étonnerait qu'il n'y a rien. Qu'ils ont juste fait ça pour le début du jeu, quoi. Connaissant les développeurs de Bethesda, tout vit et chacun a une routine dans ce monde, quoi. Donc ils font pas juste un truc. Quand on va retourner de toute façon, ils ont du benzène. Ressources 2 sur 5. D'accord, on doit trouver les ressources. Eh bien écoutez, on va faire ça juste avant de partir parce que j'aimerais bien quand même regarder ce qu'il y a. Je sais qu'il faut que je parte, mais le problème étant, c'est que l'autre m'a pas répondu. Et je sais que c'est le début de l'aventure, qu'il faut le faire et tout, mais pour ceux qui me suivent depuis très longtemps et sur mes chaînes, enfin sur ma chaîne, sur tous mes let's play, moi quand je joue à un jeu, je me mets dans le jeu. Ça veut dire que en gros, oh, c'est quoi? Il y a de l'eau. On est sur une lune, on est sur Vectera en fait. D'accord, il m'en manque un. Oui, comme je disais. Oui, je vais remonter. Quand moi je joue, je suis dans le jeu. Je suis en live, donc c'est un peu plus compliqué, je dois vous parler et tout. Mais il y a toujours. Oh. Ça, on l'a déjà vu. Il y a toujours ce côté-là où... Ah oui, c'est vrai, c'est un gaz toxique. Où je suis obligé de... C'est quoi? De l'eau encore? Je suis obligé de me balader. Je suis obligé de tout prendre à cœur, de toujours répondre aux personnages quand il y a des trucs qui me plaisent pas. Et là, ça m'a pas plu. Franchement, qu'il élude toutes mes questions comme ça... Je sais que c'est un gentil, parce que j'ai vu les tests. Hein. Oula, qu'est-ce qui se passe? Mais ça n'empêche que pour moi, il n'y a pas de gentil ni de méchant. C'est, voilà. Ça se trouve, en fonction des choix, ça peut devenir des cons. Donc, Ah ah! Ouais. Analyser! Et voilà! Toute la planète est analysée, les enfants. Très content de moi. Enfin, la planète, la lune. Parfait, parfait. Par contre, j'ai vu qu'il y avait un truc là-bas. Site. Ah oui, c'est juste... d'accord, l'appellation de l'endroit. D'accord, d'accord. Bon, eh ben, on n'a pas le choix. On va devoir partir de là. J'aimerais bien me balader sur cette lune. Le problème, c'est que ça va faire 12 000 épisodes, hein. Déjà, je fais le live. Le live va être retranscrit, mais ça va être un truc de dingue. Eh ben, dis donc. Allez, Vasco. Putain, comment il court. On peut lui parler. Il semblerait que vous soyez le nouveau capitaine de l'Argo. Ne l'écoutez pas, capitaine. Si vous me cherchez, je serai dans la baie de soutien robotique. Attendez, j'ai juste envie de voir. Non, j'ai cru que sa lentille bougeait aussi. J'allais dire, ouais, c'est complètement what the fuck. On a un kit de soins. Ah oui, j'ai toujours ma... Attendez. Voilà, ma lampe.
Montez à bord. Oh là 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 là, c'est stylé. Non, pas du tout. Non, sérieux, on peut s'asseoir ? Sérieux, il a... Je lui pique son sandwich, moi. Je lui ai piqué son sandwich. Rien à faire. Alors, avec un petit peu de réalisme, est-ce que je peux enlever mon casque ? Voilà, je vais faire du réalisme, hein. Désolé pour vous. Hein. Sandwich entamé, je mange mon sandwich entamé. Parfait. C'est vraiment top, quoi. Regardez ça. Tout est limite calculable. Barrette, oh ! Il est sérieux ? Mais il fait partie de Constellation ou pas ? Oh non ! Je vais me retrouver dans la loose. Ils vont... Ah mais moi je leur dis direct que c'est lui, hein. J'ai pas envie d'être dans le... Repas nouilles, non, je vais laisser tout ça, on prendra tout ce que... Sérieux là ? Dormir, ok, on peut dormir. Oh, les photos de Vasco. Ah non, mais ça veut dire que le mec, il a volé. Et je vais me retrouver dans une sauce, les enfants. Je vais me retrouver dans une sauce de ouf. Oh, ça veut dire qu'il y a du monde qui peut venir bosser là, Strapontin. C'est pour faire quoi, ça? Attendez, je veux tester. Il gère quoi, là, les... Ah, ça enlève... Ah, ça, c'est bien fait, ça enlève le... Non, ouais, je peux rien faire. Ça enlève le sac dès qu'on l'utilise pas. D'ailleurs, c'est quoi ce sac? Attendez, je découvre le jeu, hein. Je suis désolé. Il y en a plein qui vont gueuler, mais c'est quoi? Ah, c'est un sac d'extraction minier. On est obligé de l'avoir? Ah non, on l'enlève et d'accord, ok. Parfait, parfait. Bon, comment ça fonctionne? J'irai voir la table où il y avait le truc de barrette dessus. Se lever, quitter, décoller. Décoller. Et est-ce que depuis l'espace, on peut quitter son poste? Ou est-ce qu'on est obligé de... Je vais tester. Je suis obligé de tester. Je suis obligé, les enfants. Je suis obligé. Ouais, je suis obligé. Donc, si je fais ça... Oh ! Maintenant que nous sommes en orbite, nous devrions tester les commandes et les systèmes pour nous assurer qu'ils ne sont pas à deux doigts d'une panne monumentale. Alors... Ouais, Vasco, ouais. Merci Vasco. Oui, je verrai ça après. C'est stylé. Alors là, on a juste ça qui nous permet de voir l'extérieur. Mais j'imagine que... J'imagine qu'avec un vaisseau avec des grandes baies, ça doit être... Alors, je le coupe un peu. Donc ça, c'est Vectera, la lune analysée. Rocheuse, gravité de 0,91, glaciale, faible CO2, faible magnétosphère... Eau insalubre. D'accord. On peut configurer un truc d'atterrissage, mais ça sert à rien vu qu'on l'a découverte en entier. Donc là, si on la scanne, nous avons différents biomes avec les différentes ressources. L'aluminium, là, on a quoi? On a le nickel, là, on a du benzène. Ah, j'ai cru que c'était de l'eau. Bref, voilà. Et ça, normalement, est-ce que c'est de... Alors, c'est l'aluminium et là, ce sont la terre. Ok, d'accord. Parfait. Donc ça...
J'en avais pas besoin. Dans notre destination, je sais pas où aller, mais on a plein de... On a une autre... C'est quoi ça? Une géante gazeuse. On peut y aller? On est là. J'ai envie de toutes les faire. Je suis, de toute façon, c'est mon let's play. Je suis en mode... voilà, mettre le cap. Pourquoi on peut pas? Ah, on peut pas. Et genre là, on peut? Sur ça? Sur celle-là? Labo de recherche crit. D'accord, il faut qu'on suive le... Ah, ok, ok. Pas. Oui. Le moteur détermine votre vitesse maximale. Essayez de faire augmenter puis diminuer notre vitesse relative. Ok, ça c'est pour tirer. Ça c'est pour accélérer. Et on peut se mettre comme ça. Le moteur du vaisseau rend les virages plus maniables. Essayez d'ajuster notre vitesse en tournant. Sur l'ATH du vaisseau, vous remarquerez un indicateur de vitesse dans le coin inférieur gauche. Ouais. D'accord, donc là avec le joystick, c'est comme un OTAS en fait. Tu fais comme un autre avec un OTAS, tu bouges ton joystick. Voilà, tu peux te mettre à mi-vitesse, tu peux redescendre presque à être arrêté. Ok. Donc là, hop, la fonction turbo c'est pour faire ça. C'est quand t'es en combat, si tu veux aller te cacher derrière des astéroïdes, il n'y a aucun souci. Ou intercepter une cible. Ok, parce que je sais qu'il y a énormément de secrets dans le jeu. Ça c'est clair et net. Ok. Essayez de varier l'énergie dans les boucliers. Vous remarquerez que la puissance augmente leur robustesse. Les boucliers protègent la coque du vaisseau. Sans coque. Ouais, mais ça marche que sur les trucs énergétiques, comme les lasers et tout. Mais ça marche pas sur les missiles. Peut-être les missiles, mais pas les balles. Hop, c'est alimenté. J'ai pas vu. C'est quoi ma mission, là, les gars? Où est ma mission? D'accord. J'ai pas vu. Vous avez un certain talent pour le pilotage. Mais qu'en est-il de vos connaissances en combat? Ouah! Un appareil de la... Allez. Ouais, je vais le fumer. On décélère et on tire. On accélère. Allez. Parfait. On décélère. Si vous parvenez à maintenir le vaisseau ennemi au centre de l'écran, nous pourrons le verrouiller pour tirer un missile à tête chercheuse. Les boucliers ennemis. Allez, missile. Boum. Un autre missile. Boum. Et là, c'est stylé. C'est stylé. Je comprends pas pourquoi les gens ont du mal avec ça. Alors après, c'est peut-être parce que je joue à beaucoup de... Putain, il a pris de l'inertie, le... Bon, ça va. Ben là, il y a des trucs, là. Préparer. Enfin, préparer. Attraper, pardon, excusez-moi. Oh là 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 là. Et genre, c'est stylé parce que là, ce sont les... c'est ce qui reste du vaisseau? Ça disparaît au bout d'un moment, ouais. Non, ça disparaît pas. Ils sont où les autres bouts de vaisseau? Ah bah, ils doivent être là-bas, je vois des trucs, hein. Je vois un truc qui brille. Oh ouais! Le fight! Allez. Oh là là, je me suis chié dessus. J'aimerais bien pouvoir en aborder un, vous voyez. Allez. Allez, fume. Enfoiré. Allez, faut que j'accélère. Allez, encore un missile. Encore un missile. Aide. Accélère, accélère, accélère. Comme ça, je récupère le loot en même temps. Voilà. Oh, j'ai pas récupéré le loot.
Ok, qu'est-ce qu'il veut faire, lui? C'est bon. Il est là, regardez. C'est parti. On te chasse maintenant. À nous de te chasser. Un missile. Un deuxième. Parfait. Il essaye de nous fuir. Hein. Bah oui, on a eu l'astromoteur. On peut pas aller... Allez, un missile pour finir. Oh là là. Oh, ça va. Mais non. Ils en ont après le frontière et ne nous lâcheront pas. Nous devrons nous occuper du capitaine local de la flotte écarlate. D'après un scan récent, il y a un complexe à l'abandon sur la lune voisine, Crete. Une base idéale pour des pirates. Ah ah ! C'est ce qu'on a vu ! C'est ce qu'on a vu du cul. Alors attendez, parce que c'est super stylé. Donc là, les mecs, ils sont... ils doivent être morts et tout. Enfin, oui, ils sont morts, mais je veux dire, ils doivent être dans le... Je veux fouiller. Voilà. Putain, il est parti avec l'inertie spatiale. Il est parti super loin, le... Ah, oh, c'était violent. Ah, oh, je les ai eus. Ils ont mangé leur slowbar, hein. Allez, on arrête. Oh là là, les musiques, les enfants. Les musiques. Donc ça, c'est fait. Ok. C'est quoi qu'on a là? Attendez. Donc si je fais ça, est-ce qu'on voit les débris en temps réel? Est-ce qu'on voit les débris en temps réel? S'il vous plaît. Oui, regardez, on le voit, il passe, il est là. Oh, c'est stylé. Alors... Il est là, voilà, c'est ça exactement. Mettre le cap. Je veux mettre le cap. Je me fais troller, les enfants. Je me fais troller. D'ailleurs, le chat, est-ce que le son est parfait? Est-ce que ma voix est parfaite? Est-ce que tout est parfait, s'il vous plaît? Dites-le moi, c'est important. Voyager. Comment qu'on fait? Ok. Et on fait comment? Appuyer sur un pour ouvrir le menu de données, ouvrir la carte stellaire. La vue. Alors, la vue planétaire de la carte stellaire vous donne des informations sur votre environnement, vous permet de scanner les planètes. Mais oui, mais c'est ce que j'ai fait déjà. Confirmer. Atterrir. Ah d'accord. Ah ouais, on y va comme ça. D'accord. Parfait. Parfaitement parfait. Je vous suis, capitaine. Alors, se lever. Ah, je vois un vaisseau qui est parti direct. Oh, ça me fait penser à la première vidéo. Ouais, cette tête que j'ai fait à mon perso, il est stylé. C'est Kirby, peinture et plus de Jurassic Park 3. On a un gun, parfait, mais j'ai pas que un gun, j'ai ça, parfait, ok, bon, on va voir Vasco avec nous. Est-ce qu'on peut dormir ou c'est... Non, ce sera rien, on va pas dormir à côté, mais on peut dormir en tout cas, j'ai vu. Ouvrir, parfait. Vasco, tu es... Bah il est où? Ah il est là, Vasco. Capitaine, le protocole Indigo m'oblige à retourner à la loge sans faire de détour. Nous sommes ici pour empêcher la flotte écarlate de nous poursuivre. Rien de plus. Tiens, on va lui demander, ouais, parce que l'autre, il nous a pas répondu et ça m'a un peu énervé. J'ai souvent posé cette question à Barrett dans différents contextes et à propos de différents individus qui voulaient nous causer du tort. La réponse la plus probable est que Barrett l'a insulté personnellement. Typiquement, en restant vivant, généralement après avoir échappé à une mort certaine, et le plus souvent avec un objet convoité par plusieurs personnes. D'accord, ouais, c'est ce que je me disais. Le mec, il doit voler des trucs, donc pour Constellation... Bah, de toute façon, voler des trucs, oui, c'est un voleur, hein. Il a volé Constellation. Hein. Constellation qui est le nom aussi de l'entité à laquelle elle appartient, à duquel elle appartient pour le moment. D'accord, et bah dis donc... Il a l'air charmant.
Enfin, Barrett, oui, là. De toute façon, c'est ce que je me disais. Vous êtes qui, vous êtes ? Constellation est une société d'explorateurs fondée il y a plus de 50 ans dans le but de repousser les frontières de l'inconnu. Okay. Les membres partent souvent en expédition en petits groupes, deux personnes en général. Dans le cas de Barrett et moi, une personne et un robot. Nos effectifs sont volontairement réduits. Si vous deviez vous joindre à nous, vous seriez le 10e membre actif. Ah ouais, c'est pas beaucoup, quoi. C'est pas beaucoup du cul. Bon, on va lui poser. J'ai envie de savoir. Il y a des milliards d'années, nous ne faisions qu'un avec le cosmos. Et que donc, techniquement, vous vous connaissez depuis longtemps. Mais une réponse plus pragmatique okay. serait qu'il a besoin de vous. Le nombre de personnes à avoir été affectées par les artefacts s'élève désormais à 2. Sans votre investissement dans la mission de Constellation, ah mais il n'y a aucun investissement. Il n'en apprendra peut-être jamais davantage sur l'expérience que vous partagez. Il vous accorde donc sa confiance pour obtenir votre soutien. Mais il m'a kidnappé en gros. Il m'a dit toi tu viens et t'as pas le choix. Et Lynn m'a fait ah non, non, tu t'en vas. Donc je me suis retrouvé un peu bloqué quoi, tu vois. D'accord. Échangeons de l'équipement, non. Ah si, il pourrait peut-être porter. Je suis prêt à débuter notre échange. Ouais. Ça c'est Vasco. Ok. Comment qu'on fait pour changer de. Mon inventaire à moi, voilà. Combinaison, j'ai ça à te passer. Et ça à te passer qui m'intéresse pas du tout. On va le vendre, ça fera un peu d'argent. Voilà, quitter. Oui, comme je disais, j'ai pas trop eu le choix, Barrett. Barrett m'a un peu forcé la main et il a jamais répondu à aucune de mes questions. Voilà. Salut Globule, salut. Tu vas bien ? Trop tôt ? De quoi trop tôt ? J'ai pas compris trop tôt, dis-moi. dis-moi. On va s'arrêter juste là, 2 secondes, pour qu'on discute. Comme ça, je vais boire un coup aussi, parce que j'étais hypé dès le départ. Je vois des installations au fond, un peu à gauche, là, au-dessus des cheminées là, de méthane ou je sais pas quoi. Le son est pas mal ou pas ? Merci pour ton retour. Et désolé, j'étais en train de boire. Ah. Eh ben, on est reparti. Hein. Mais bon, pour en reparler, ouais, j'ai été un peu quand même kidnappé. Hein. Un peu, légèrement, on va dire ça. Est-ce que... Ouais, je vais être chiant. Hein. On va devoir aller voir les gars, mais... Enfin, les mecs qui sont là-bas, mais... Je peux le scanner ? Je suis trop loin. Ah ouais, faut que je sois collé au truc, quoi. Scan effectué. Ah, il y a de la faune, de la flore et des ressources. D'accord. Et eh ben, on fera ça quand on sortira et quand on sera bien fighté. Ah, mais j'en ai une juste à côté, je suis complètement débile. Et d'ailleurs, c'est quoi ça ? Tubercule poudreux. Je vais prendre mon arme, on sait jamais. Par contre, les bruits sont magnifiques. Et j'ai vu qu'il y avait quelque chose au fond, parce que là, je vois qu'on doit aller là. Le centre de recherche abandonné. Ouah, la gravité. Ah mais il y a des trucs là-bas. Ah mais il y a des trucs là aussi. Deux. Au moins j'en ai fait quelques-uns. Allez, on y va, on est parti. On fera ça après. De toute façon, le jeu, c'est l'intégrale qui sera remis sur la chaîne. Des trilobites ! Oh, l'insulte de paléontologue ! Alors ça, vous voyez, ça, à l'époque de ma première chaîne, je vous dis, il y a très longtemps, Monsieur Papy, c'était une insulte, espèce de trilobite. C'était une insulte de paléontologue. Oh mon Dieu, on a des trilobites, ça me suit partout, ça. Non, j'ai pas besoin de ça. J'ai pas besoin de ça, je veux mon arme. Voilà, enfin mon arme, celle que j'ai piquée hein, à des gens. Sur le chemin, on va peut-être récolter des trucs. Hein. On a un truc là-bas. C'est quoi ? Tracker de crit. C'est quoi ça ? C'est quoi cette merde ? C'est quoi ce truc là ? Attention, capitaine.
les créatures aliens sont parfois... Ouais, bah, au cas où. Éliminer tous les ennemis proches. Voilà, au cas où, hein. C'est bon, je l'ai fait, hein. Ouais, je l'ai scanné, on sait jamais, hein. Au cas où. Faut, c'est une technique, c'est vous savez pas ce que c'est, vous tirez dessus. Après, vous pouvez l'analyser tranquillement. C'est horrible. C'est horrible. Du plomb. Il y a du plomb. Ok. Alors, il y en a, ils se demanderaient pourquoi je fais ça, tout simplement, parce que déjà, c'est pour avoir mon petit 100%. Et aussi, ça pourrait me servir. Je fais le grand tour, hein, j'ai pas envie de me retrouver nez à nez avec l'ouverture de la base là en dessous. Mais c'est aussi parce que ça va servir. Parce que le jeu a beaucoup, beaucoup de choses. Beaucoup de choses à offrir. Le fer, on voit que je l'ai déjà fait. Hein. C'est ça, quand il n'y a pas la petite bulle bleue sur le côté, ça sert à rien de le faire, c'est déjà fait. D'accord. Ok, donc là, ça a été fait. Là, il y en a plein. Oh, le tubercule géant. Ça a été fait, le plomb. Je regarde un petit peu. On va y aller, vous inquiétez pas. Je vous connais, vous voulez que j'aille à la base, mais on est là pour se marrer un petit peu. J'ai un peu peur de ce qu'on va trouver. Tu trouves ça beau, là, ou pas? Enfin, Globule, tu trouves que c'est bien? C'est bien rendu? Il y a une bonne qualité, tout ça? Pas de soucis? Je me suis embêté à prendre un gros processeur, hein, pour vous, hein, les enfants, pour que ce soit bien et nickel. Oh, de l'argent, ça on l'a pas. Regardez, il y a un petit onglet bleu à côté de AG, vous voyez. Tout à droite, il y a un petit point bleu, c'est-à-dire qu'on l'a pas découvert, ça. Voilà, maintenant on l'a découvert, mais maintenant si je retourne dessus, bon, pour le moment, il dit que... Ouais, c'est nickel, ok, parfait, merci Globule. Et on va reprendre, bien entendu, les lives au moins deux fois par semaine. Donc, ça va être super. Tu fais partie de la vidéo de la première... Enfin, de la première VOD sur la chaîne. Purée, labo de recherche. Qu'est-ce que c'est, ça? On peut pas zoomer, c'est ça qui est chiant. Ah, on pourrait faire un mode photo. Oula, qu'est-ce que tu fais, Vasco? Ah, il s'est mis en mode stills. J'ai un peu peur sur ce qu'on va trouver. Une confédération de petits équipages pirates indépendants. Ok. Sous la même bannière. D'accord. Ils sont sans scrupules et portés sur la violence. Ouais, c'est des méchants, quoi. Merci. Et ils tiennent un bébé mort dans une main et de l'autre côté, ils ont un drapeau allemand. Ouais. Ok, d'accord. J'ai compris. C'est pour être sûr. Hein. C'est pour être sûr. Je fais le tour, on sait jamais s'il n'y a pas un petit rigolo. C'est surtout pour trouver du matos, hein, bien entendu. Est-ce qu'on peut... On est obligé de passer par l'entrée principale ou est-ce qu'on peut tricher? On peut passer derrière. C'est quoi, ça? Putain, je peux prendre une visseuse à percussion, les enfants. C'est vraiment très Fallout, hein. Enfin, pour moi, hein. Eh ben dis donc. Et ça, c'est une planète... Enfin voilà, hein, c'est pas c'est pas une belle planète. Hein. Enfin bon, même si moi, ça me mettrait sur le cul d'y être. Hein, mais c'est stylé. Allez, hop, oh, purée, la gravité, regardez la gravité. Oh, regardez. Ouais, cette gravité de malade. Enfin, y a la gravité entre guillemets, hein, je veux dire, je m'envole, quoi. Allez. Je peux pas allumer ma lampe torche. D'accord, je peux pas. Vous entendez le petit ting ting? C'est que je peux pas enlever, je peux pas mettre ma lampe torche. Ah, je sais pourquoi. Non, et me dis pas que c'est moi où j'étais sans casque dehors comme un con. Heureusement qu'on peut y survivre. Ah, punaise! Allez, on va mettre le casque pour entrer maintenant! Ah, là, je peux allumer! Non, mais attendez, attendez.
Tempéré, magnétosphère. Eh, on a de l'atmosphère, hein, on peut... Ils disent qu'il y a de l'atmosphère, donc c'est bien fait. Rigole pas, Globule. Te moque pas de moi. C'était un test pour voir si l'atmosphère était dangereuse pour les prochains colons. C'était un test, voilà. Container de mousse synthétique, prendre. Ah ouais, on peut vraiment tout prendre, se faire de la tuile. Oh, c'est quoi ça? Croque, c'est quoi? Cube nutritif, croque, goût, bœuf, avec emballage fraîcheur. Produit of Shelter System. Oh, c'est trop bien fait! Ah oui, et d'ailleurs, petite info, s'il y en a qui n'auraient pas vu le test, on peut attraper des maladies, avoir des problèmes, et il va falloir se soigner en conséquence de ce qu'on a. On peut même crever d'un rhume et tout en fonction de certaines planètes, tout ça, tout ça. Enfin, que là, ça se trouve, je peux choper un truc, hein. Je vais choper un truc, ça se trouve, j'ai pas mis le casque, donc faudra faire gaffe. Je prends le kit de soins. On est parti. Oh putain, le mec qui sort et qui respire à plein poumon, quoi. Oh punaise. On va se mettre en mode stealth. Je peux me mettre en mode stealth? Voilà. Vasco, tu te mets en. Étrange, ce sont les couleurs de l'Union coloniale. Mais nous sommes dans l'espace de la Confédération Liber Astra. On peut supposer qu'il s'agissait d'une base secrète. Ok, tu m'en diras tant. La fin du monde, prendre. Alors, truc de... Ouais, t'as lu ça, ouais, c'est un truc de ouf. Hein. Fin du monde, chapitre 1. Alors, on a un début de l'ouvrage, ok. Le magnifique pont de marbre qui est relié à la rue de Rennes, à la rue du Louvre. Oh, c'est français! Et qui, bordé par les statues des savants et des physiciens, dessine une avenue monumentale conduisant au nouveau parti de l'institution éteinte. Je lis super vite, vous avez qu'à faire pause, c'est pour la VOD. Ok, Concorde n'avait Ok, tout entier, inquiète. Je vous laisserai faire pause si c'est. Enfin, faire pause sur la VOD, hein, les gars. D'accord, ok. Non, faut que je prenne l'habitude. On a des toxines, on récolte quelques petits trucs. Tournevis, j'en ai pas besoin. Là, j'en ai. Enfin, j'avais pas besoin. Ça se trouve, j'en aurais besoin plus tard. Mais emballage de croque vide. Ah, il y a quelqu'un qui a mangé, qui l'a posé. Carnet de notes. Bon, je l'ai pris. Je croyais que c'était un truc, mais pas du tout. Pousse-toi, Vasco. Vasco, pousse-toi. J'ai un peu peur sur quoi on va tomber parce que. Calepin. Un public douteux, humour douteux. Que fait un cheval au supermarché, hein? C'est quoi un cheval? Toc toc qui est là, hamster, hamster qui. Un hamstéroïde, oh putain. Un mercenaire de l'excuser à une femme. On m'a engagé pour te tuer, ma mère m'a appris à toujours bien faire mon travail. La femme répond, écoute mon fils, tu n'es pas obligé cette fois. Ça c'était pas. Comment tenir un idiot en haleine? Comment faire peur à un bouseux de Liber Astra pour user lui de se laver? D'accord, ok. Eh ben, je prends. Ah putain, je connais presque tous les livres de Skyrim, forcément, d'Oblivion et tout. C'est des rééditions, elles perdent du temps sur Skyrim. Mais là, de découvrir une nouvelle licence avec des nouveaux trucs, il faut lire, les gars, c'est une nouvelle licence. Donc, il y a plein de trucs comme ça à découvrir. Par contre, donc c'est une base secrète qui appartient à une coalition qui n'a pas à être ici parce que c'est un système gouverné par une autre coalition. J'ai bien trouvé? C'est ça? Mais on n'est pas censé retrouver des pirates à la base? Enfin, les retrouver, les buter? Ouah! C'est quoi ça? Il a mangé des Kellogg's, lui. On peut le scanner? Un Colovore? Qu'est-ce que c'est que cette merde? Toxine, je prends. Je sais pas ce que c'est, mais ça m'inspire pas. Confiance. Petit poisson, venez. Excellent, petit poisson. Enfin, je ferai pause, vous inquiétez pas, je lirai ça quand je ferai le montage. Hop. Enfin, je lis, mais je lirai en profondeur en faisant le montage. D'accord.
Ok. Tasse à café, calepin. Par contre, les vrais livres de quête, je vais les lire, hein, les gars. Donc, carnet de notes, d'accord. Il y avait une bestiole, en tout cas. Il y avait une bestiole. Je sais pas ce que c'est. Flacon échantillon génétique. Ah non, je vais rien toucher, en fait. Je suis en train de flipper, ça y est. Je prends le kit de soins. J'entends marcher. Que foutent des mecs ici? Y a personne, hein? On est... What the fuck? Moi qui pensais qu'on allait être tout seul. Histoire de la xénobiologie. Les premiers chapitres écrits de Lars Nielsen semblent principalement consacrés à un système digestif des herbivores aliens. La dissection de la dernière trouvaille du docteur Lourdes, eh oui, c'est les Français, semble confirmer son hypothèse initiale, formulée sur la base de son apparence, selon laquelle il s'agirait d'une évolution de vers hydrothermal. C'est ce qu'on a vu. Sa recherche prend également dans la direction d'une espèce qui évolue en... Ok. Putain, il me fait flipper, Vasco. J'ai un peu peur parce que je sais pas sur quoi je vais tomber. On a vu un cadavre d'un mec qui est là depuis un moment. Y a rien, hein. Je suis passé à côté de rien. Ouais, y a des pirates. Y a des mecs qui parlent. Je vais juste prendre ça au cas où. Il me voit pas, hein, de toute façon, là. Conteneur fermé, je sais pas ce que c'est. Je prends. C'est de la bouffe. Je prends, les gars. Il y a des mecs juste derrière. J'ai une hache, hein. Ouais. C'est quoi ce cirque? Il est temps de gagner. Ah merde, ils ont vu Vasco. Oh là là, oh là là. Corps à corps. Allez, à moi! Hop! Là! Là! Non mais... Tu vas te calmer! Ah, je suis nul, hein. Crédit. Hache de sauvetage. C'est ce que j'ai, hein, la hache de sauvetage. Hein. Ouais, c'est ce que j'ai. Oh la vache! Et le Kraken, c'est pas ce que j'ai. On verra ce que j'ai pris plus tard. Un coupe-boulon. Oh. Funaise. Je sais pas si ma santé va remonter toute seule. De toute façon, on a des trucs de santé, non? On peut mettre des soins dans le... J'ai quoi, là? Bon, bah, je vais prendre Neurodine. Comment il se l'injecte? Ah oui, t'as des mini aiguilles sur le côté. D'accord, ok. Je vais mettre mon sac d'extraction. Qu'est-ce que tu fais, Vasco? T'as même pas tiré une seule fois, Vasco. Putain. Bon, bah maintenant, on est grillé, hein. On est d'accord, on est grillé. Carnet de notes encore. Quick, le premier jet de lumière converti en clarté. Ok.
Ah ah, antibiotiques. Voilà pourquoi il faut chercher. Au moins j'aurais gagné des antibios à venir ici. Putain, le bordel. On est dans les quartiers de vie. Laurie Morph. Ok, j'ai cru qu'ils étaient là. Attendez, il y a des pirates qui regardent un enregistrement en boucle de scientifiques qui étaient ici. Ok, Star Wars. Alors, nouveau départ. 13 janvier, 23h. Je n'arrive pas à le croire, j'ai été pris. La division xénoguerre de l'Union coloniale est désormais une réalité. Je n'arrive même pas à imaginer la quantité colossale de paperasse qu'ils ont dû affronter au TAMS. Mais ce n'est pas trop tôt. Je vais pouvoir faire partie de l'équipe fondatrice. Mon titre officiel de technicien en xénobiologie associé. Je pars dans 3 jours. Ça n'est pas vraiment plus un mandat. Mais je l'ai rassuré en lui disant que j'aurai beaucoup de jours de congé et que je reviendrai à New Atlantis le plus souvent possible. New Atlantis, c'est... Vasco, c'est ta mule. Alors, Vasco, est-ce que c'est ma mule, les gars? Non. Enfin, il a 2 équipements sur lui, mais non, pas pour le moment, même s'il y a des chances. Je ne sais pas vraiment, encore vraiment où on va, si ce n'est que c'est dans l'espace de l'Union coloniale. On verra bien quand on y sera. D'accord. Premier contrat. Nous avons reçu notre premier contrat d'extraterrestre, notre premier candidat extraterrestre aujourd'hui, une sorte de formalienne Lecoq, une araignée géante, autrement dit. Michelson est tenu de protection, a tenté de lui implémenter l'interface de contrôle neuronal, ICN. L'équipe de sécurité est encore en train d'essayer de sortir de son cocon. Nous n'avons pas eu d'autre choix que d'abattre la créature. Ce n'est qu'un léger contretemps. D'accord, ils essayent de faire des contrôles bizarres. Je ne sais pas comment ils s'y sont pris, mais les marines ont réussi à nous apporter un Ashta. L'Ashta n'est pas uniquement une bête terrifiante et un prédateur né, 2 qualités exceptionnelles et remarquables essentiellement pour les travaux que nous menons ici. Il est surtout natif de la planète Aquila dans le système Cheyenne. Aquila, la planète d'Aquila City, capitale de la Confédération Liberastra. On peut faire confiance aux troupes de Mormuz, je pense. Ok. Test raté. Les craintes que nos rivaux de Liberastra aient réussi à arsenaliser les Ashta ont été totalement dissipées. D'accord, donc ils ont cru... En fait, on est sur une base où des scientifiques travaillaient pour la Confédération, pour une confédération. Ils pensaient que l'autre confédération de Liberastra utilisait ces espèces de grosses araignées pour faire des armes et ils voulaient les devancer, mais en fait, pas du tout. Après la débâcle de Michelson, nous sommes venus à la conclusion que l'ICN ne devait être implémenté que sous sédation complète. Ouais. En éclair, les Ashta ne peuvent tout simplement pas être contrôlés. Si même nous n'y avons pas, il n'y a aucune chance que la Fondération Liberastra y parvienne de son côté. D'accord. Nouvelle créature, nouvel échec. Ce n'est pas la faute des trackers de l'UC. On leur demande les prédateurs. C'est... D'accord. Les marines ont encore apporté quelques nouveaux spécimens ce matin, complètement à l'improviste. Comment les décrire? Ce sont des arthropodes équivalents. Ah mais ça c'était... Hein. D'accord, ok. Ils ont, donc ici c'était pour essayer de mettre au point un système de contrôle... De contrôle de bestioles en fait, d'aliens. Je sais pas ce que c'est, ça, je prends. C'est quand même chelou. Mais ils sont venus dans ce système-là, en fait, pour avoir... Je peux y arriver. Alors, pour ouvrir les verrous, combler les encoches de chaque couche. Ok. Et quand tu veux que je fasse, là? D'accord, ok.
Ah, oh, d'accord, j'ai compris. J'ai compris, j'ai compris. Il faut pas que je me plante. Bon, mais... un aligneur, on est reparti. D'accord, on a trois trucs. Donc, en fait, il faut pas que je me plante. Lui, c'est celui que je peux pas mettre à la fin. Lui, je peux pas. Lui, je peux. Lui, on est d'accord. Je peux pas l'ouvrir, on est d'accord. Hein. Je peux pas l'ouvrir. Hein. D'accord, ok. C'est que j'ai pas le niveau pour. Je peux pas, en fait. Il me donne pas les bons trucs. Tenue de labo bleu. Non, je m'en fous. Oula. Y a rien à prendre. D'accord. Bon, et eh ben on s'est fait cramer deux trucs. Feyesh. Base de mixeur, de la bouffe, des fioles, j'en ai pas besoin. Presse papier, dossier. Ça va être compliqué de réussir à ouvrir des caisses. Je l'ai lu, ça va être très compliqué. Et là, de l'avoir sous les yeux, ça va être assez violent. Cartouche de fumée. Oh. Sérieux? Sérieux? Attendez là. J'ai le Grendel. Moi c'est la précision surtout. Ouais, la meilleure précision. Hein. C'est ça que je vais prendre en... Voilà, je vais le mettre comme ça. Parfait. Le Kraken, lui, il a 10. Il fait que 3. Jeter. Oh, j'ai un Grendel modifié. Mais oui. Et pourquoi j'ai un... Pourquoi j'ai un point d'interrogation là? Bon, eh bien écoutez. Ça, c'est l'arme du... l'arme des vidéos de présentation du jeu. Croque aux pommes de terre. Là, on a quoi dedans? On peut pas l'ouvrir. Eh bien, parfait. Allez, on avance. On avait entendu des gens. J'enlève ça parce que je sais pas si... compétence spéciale. Ouais, il va falloir une compétence spéciale. Là, on voit tout ce qu'on a fait, statut, personnage, avec tout ce qu'on a fait, le général. Je sais pas où c'est. Compétence, pardon. Et ouais, il te faut des compétences pour, en gros... En gros, je pense... Là, de toute façon, j'ai pas de points, mais... Pourtant, je l'ai. Hein. Vous pouvez tenter de crocheter une serrure de niveau avancé, celle que j'avais. Mais c'est hyper compliqué. Si t'as pas les bons schémas, tu l'as dans l'os. Et tu les as pas si t'as pas le niveau, quoi. Alors oui, il fait sombre. C'est juste pour voir s'il me dé... Bon, on va faire ça. Ça se trouve, ils vont me voir avec la lampe torche, hein. Ah non, il me voit pas avec la lampe torche. Ok. Allez. Recharge. Allez. C'est bon. Par contre, il est long à recharger, hein, le bougre. Hein. C'est bon. Ouah. Putain, ils m'ont contourné les... Ouah. Ouah, ça a pété! Attendez.
Allez, t'inquiète pas. L'ennemi est proche, mais j'ai plus de munitions en plus. Je vais devoir me débrouiller avec ce que j'ai. Plus de munitions. Allez. On court, on court, on court. Aïe, aïe. À moi. Hop, hop. Oh. Zéro munitions. Crédit, je prends. Attendez, on va les looter. Ah, j'ai... Ouais, mais ça part super vite. Super vite de fou. Putain, l'arme... Ouah. Crédit. Munition. Maelstrom. Je sais pas ce que... Ah oui, c'est leur arme de base, ça, les Maelstrom. Ok. Faut tout looter. Tout looter, les gars. Parce que là, je suis dans la loose... J'ai plus une munition. Qu'est-ce que c'est ça? Rien. Rien, rien, rien. Putain, le nombre d'articles qu'il y a à l'écran, c'est insane, quoi. C'est insane, les enfants. Ouais, Vasco, je t'ai vu faire un truc de dingue, là. Oh, c'est ça, les cocons, les bestioles, là? Mais, c'est quand qu'ils se sont tous fait tuer? Ah, j'avais pas vu! J'avais pas vu! Ah non! Ah non! Ça pue pour moi, ça, les gars! Oh putain! Oh. Et ça vit dans l'eau, à ce que je vois! Oh non! Ouais, c'est super cool, hein, pour... j'avais pas eu ton message pour... ouais, pour le crochetage, ouais, c'est... J'ai vu qu'il y a des mecs, ils ont passé plus de 100 heures... 100 heures dans le... Ouais, c'est Wolverine, ouais. 100 heures dans le jeu, et ils sont que level 30. Ouais. Et à savoir que le jeu, quand tu l'as fini... alors, je me suis fait un peu spoil, pas dans l'histoire, mais dans la features. Et je peux vous dire, sans vous spoil... C'est violent. C'est violent ce qu'ils ont. Ce qui est... En fait, le jeu, il est limite quasi infini. Quoi. J'ai fait de la merde. Ouais, c'est Wolverine, mais le problème, c'est que moi, j'ai pas... Regarde ce que j'ai comme arme. Je fais 3 de dégâts. Fais yesh. Pourquoi j'ai 2? Ah oui, d'accord. Ouais, je me disais aussi, j'avais plein de trucs. Je vais les reposer. Ça va foutre un merdier sans nom. Voilà. Qu'est-ce qu'on a? Alors, je suis arrivé avec le reste de l'équipe. Il manque un 2. Ce matin, et je ne suis pas étonné d'avoir trouvé le centre entièrement opérationnel. Une fois de plus, l'Union coloniale n'a pas regardé à la dépense. Tout... Alors, c'est l'Union coloniale qui est allée voir la Confédération Liberastra. C'est deux trucs qui se foutent sur la gueule, à ce que j'ai vu. Exaltant même de savoir qu'on a pleinement le soutien des décisionnaires. Je dois avouer que j'ai été surpris d'apprendre que ce laboratoire doit rester secret. Bon, en même temps, vous êtes à un endroit où vous n'avez pas censé... Ben, tu réponds à ta propre question. J'ai été surpris d'apprendre que ce laboratoire doit rester secret et qu'il se situe sur le territoire de la Confédération Liberastra. Ben oui, ben oui. Xénoguerre, hein, hein. La Xénoguerre et la prochaine évolution du conflit. Ouais, c'est ce que j'ai dit. Ils essayent de faire des... en gros, ils essayent de mettre des implants dans des escargots ou des araignées et pour se battre, quoi. Un mot, les arthropodes sont fascinants. Ils sont calmes, coopératifs, se laissent même équiper d'Isen sans trop broncher jusqu'ici. La synchronisation était quasiment instantanée. Et la précision des contrôles est restée dans une place de 95 à 97%. En outre, ils ont réussi tous les tests de survie environnementale. Mais l'élément le plus prometteur est le fait qu'ils sont déjà bien intégrés au diable ardent. C'est quoi, au diable ardent? Ok, je sais pas ce que c'est. Après des mois passés à tester diverses créatures... Extraterrestre, j'ai immense satisfaction à annoncer que nous avons trouvé l'espèce considérant le gros des divisions xénoguerres de l'Union coloniale. Les arthropodes surpassent nos attentes les plus ambitieuses. Imaginez une meute d'aliens adaptée à tous les types de terrains, capable de veiller instantanément à n'importe quelle œuvre. J'ai baptisé ces créatures Apedientepes, mais on les appelle simplement dépeceurs, je crois. Ok. Les diables ardents ont réalisé des progrès spectaculaires avec les dépeceurs. Ah, les diables ardents, ça doit être une unité militaire
de la Confédération. Ok. Ok, ok. Ça mène jamais à rien de bon, hein. Jamais à rien de bon de bah on voit hein, la preuve, à moins qu'il se soit fait tuer par Liberastra. Mais je pense pas, il y a des griffes partout. Merci Vasco de m'avoir poussé. Mais ça mène à rien de bon de faire des trucs comme ça. Ne le faites jamais, les enfants. Autrement, vous finirez plié en deux. Eh ben, dis donc. Recharge. Ça part vite, les munitions de cette machine-là. Y a rien. J'en ai tué deux de l'autre côté. Je sais pas ce que c'est cette bestiole, mais... ça pue. C'est quoi ça? Une nursery? C'est quoi? Cartou? Je peux prendre mon matos? C'est quoi que j'ai récupéré? C'est le même en fait. Ah si, c'est ça! Fusil laser! Attendez, non, le fusil laser, je vais le mettre là. C'est bon. J'ai un fusil laser. Ça éconne zéro. Par contre, j'ai vu ça. C'est ça, les bestioles, là? Oh, putain. Les gars. Pourquoi? Pourquoi vous avez fait ça? C'est là que ça a pété, hein. Ouais, regardez, ça a pété. C'est là où j'ai fait péter... péter les deux... ça pue. Ça pue de ouf. Fibre. Aluminium. Tu vois, c'est marqué qu'on peut utiliser ça comme des composants de fabrication. Et analgésique. Ok, parfait. Laboratoire pharma... Oh! Attendez, qu'est-ce que c'est? Ah, je peux me fabriquer des pansements. Ah, merci Jesco pour le follow. Merci beaucoup. Merci. Bon, et ben je vais fabriquer des pansements à donf. Mais je peux en faire combien? Ah ouais! Bon, je vais les faire, comme ça on aura de quoi se soigner. Voilà. Comme ça on se maxe un peu. Putain, Vasco, à chaque fois il me fait peur. Ah! Bon! J'essaye de comprendre un petit peu le... Le bazar là. Ah. Quelqu'un essaye de nous piquer notre butin. Retenez cette personne pendant que Morgan s'occupe de toi. M'en occupe, personne passera. Ils sont sérieux là? On lootera après, hein. On lootera après, on va leur foutre sur le rable. Sur le rable. Tu veux mourir? Ah, il est là. Allez, viens. Allez. Oh purée, raté. Et d'un. Ah, ben merci Jesco de... T'es... Ça va bientôt l'épisode 100. Oui, ben... Le SnowRunner, bien entendu, a été remplacé par Farming Simulator, mais merci beaucoup. Putain, il est pété ce fusil. Waouh. Je te remercie beaucoup quand même pour me suivre depuis tout ce temps. Il y a un mec là-haut. Ok, bah si tu dis qu'il n'y a rien, t'as qu'à t'en occuper, hein. Tenue frontalière, je vais prendre parce que ça peut peut-être aider. Je sais pas, je fais des trucs. Il est où?
Oh, j'ai mis un crit. J'ai mis un crit. Ah, d'accord, ça fait que 2 semaines. D'accord, j'ai cru que ça faisait un moment que tu me suivais. Depuis l'épisode 100. Et l'épisode 100, ça fait un petit moment quand même déjà. Les combats sont associés à une forte probabilité de décès humain. Non, merci Vasco. Merci, merci. Oh, il est où? Ah, il est là! Le mec s'est caché, quoi. Bon, Vasco, merci pour pour ton aide précieuse, comme d'habitude. Oh là là, non. C'est novice? C'est no... On va y arriver ou pas? Allez, on essaye, hein, écoutez. Je veux voir si avec... Ouais... On a réussi. Yes! Yes, yes. Ok, on a ça à lire. C'est quoi ça? Crédit. Ouais, je sais pas. Novice, il va falloir qu'on... On teste, mais déjà il y a ça. C'est la guerre. Nous sommes en guerre. En établissant la colonie de Vesta, la Confédération Libération n'a plus, ne laisse, plus le choix à l'UC. Quelqu'un de croire qu'il pouvait prendre le contrôle d'un quatrième système planétaire. Quelle violation flagrante du traité de Narion. Nos diplomates ont tenté de trouver une solution, mais le conseil des gouverneurs a refusé d'entendre raison. Apparemment, ils ont prétendu que Vesta n'était pas une colonie, mais un simple et insignifiant avant-poste agricole. Ben voyons. Tous les rapports accordent pour dire que les diables ardents et les dépeceurs ont agi en parfaite harmonie. Et les résultats dépassent de loin nos attentes. Aucune perte à déplorer chez... Ok. Après plusieurs missions couronnées de succès avec les diables ardents, le doute n'est plus permis. Les dépeceurs sont bel et bien les armes que nous cherchons à développer. Ils ont... Il est donc temps de passer à la vitesse supérieure. Les TAMS... Le TAMS... Enfin, pour la prochaine... Projet ménagerie. Ah ça, ça veut dire c'est pour en faire plein. Nous avons officiellement cessé de travailler sur les dépeceurs. Suffisamment de créatures ont été déployées pour seconder les diables ardents qui ne sont pas venus s'entraîner ici depuis plus d'un an. Et s'il leur en faut plus, nous aurons vite fait d'en capturer quelques-uns sur la planète. Et, ok. Tous les systèmes occupés des mondes civilisés et au plus petit hameau de race campagne, les pilotes ont été confrontés aux nuisibles qu'on appelle Calovor. Ah, c'est ça qui nous a attaqué au début. J'en ai moi-même fait l'expérience déplaisante il y a 4 ans au port spatial de New Atlantis. Mon transport a été retardé le temps que l'équipage débarrasse ses propulseurs arrière des sales bestioles. Ils sont attirés par la chaleur, se nourrissent via le processus endothermique. Travailler avec ces créatures serait intéressant, quelque peu frustrant. Ok. On n'apprend pas des masses, mais hein. On va ouvrir ça. Et j'ai rien pour l'ouvrir, ça me l'a utilisé. Oh, on a des mines à fragmentation. Mais trop bien, attendez. Voilà. Bon, il n'y avait pas grand chose hein, non plus. Mais bon, c'est déjà ça. Putain, mais Vasco, arrête. Extracteur de molécules, non? Ça me dit pas que j'en ai besoin, en fait. Ça me dit pas que c'est utile pour un... C'est quoi ce merdier, là? Enfin, c'est quoi? Si, je sais, mais... Ils faisaient des armes, mais... Eh ben. Ça, je prends. Au moins, on a pas mal de soins. Déjà, dans un premier temps, je suis très content. On a un peu de soins. Il n'y a rien d'autre. Je fouille, hein. Moi, je suis un fouilleur. Tiens, regarde. Hop. De la bouffe. De l'enduit. Et ça aussi. Eh ben voilà. Ça, on avait fouillé ou pas? Non, non, il n'y a rien.
Rien de bien intéressant. Eh ben, on va monter. Et on va voir où cela nous mène. J'ai cru que c'était un mec. Là, en tout cas, il y a un mec. Il y a des trucs. C'est horrible de te dire que t'es sur un petit caillou perdu de l'autre côté de l'espace et que t'as des mecs qui étaient là. Alors là, bien entendu, on voit que... Le scotch, toujours prendre hein, dans les jeux Bethesda. Là, on voit que, ouais, c'est la mission... voilà, c'est le début et tout. Mais quand tu vas te balader... Enfin, quand on va se balader dans des trucs où vraiment... On va tomber que sur des trucs abandonnés avec des horreurs sans nom et tout qui sont faites. Ah, mais là, ça va être stylé du cul, quoi. Tablette d'urgence du docteur Wynn 1. Il s'est échappé. Laurie Morte s'est échappé. On ne peut plus l'arrêter. Lorsque nous avons essayé de nous synchroniser à l'interface de contrôle neuronal, il a paniqué. Il a défoncé sa cellule d'isolement comme si c'était du papier. Il a tué une personne. On a vu ça. Et son matri, en l'espace du... Un orimorphe. Ah ouais, là, je pense, ouais, je confirme, ouais. T'aurais peut-être dû. Oh la vache. L'orimorphe, alors c'est quoi ça l'orimorphe? Grâce aux marines de Luce, nous disposons désormais de la deuxième pièce du puzzle, un prédateur alpha adulte. Bah bien sûr, ouais. Comme par hasard, et ça tombe sur nous. D'après mes recherches, c'est un groupe d'astrogéologues qui a rencontré cette espèce pour la première fois. Il y a près d'un siècle, sur une lune lointaine, la créature ne semblait pas indigène et était seule. Ah oui. Nous ne disposons d'aucune information sur la façon dont elle est arrivée sur place. C'est donc un coup de chance cosmique que ces chercheurs l'aient trouvée, ou plutôt qu'elle les ait trouvées. Les scientifiques d'alors l'avaient complètement baptisée Oxysio Machina, ce qui signifie, en gros, machine à tuer. Mais les soldats chargés de l'abattre lui ont donné un nom bien plus simple, Orimorphe. Ouais, horrible et morphe, xénomorphe, quoi. Ok. J'ai lu le rapport officiel. Sur les 8 personnes qui composaient l'escouade, seulement 2 ont survécu et l'une d'elles a perdu une jambe. Quelle période... Ouais, bah oui, tu parles, mais... Aujourd'hui, nous devons installer l'hélicène sur l'Orimorphe. Oh là là, les gars. Les gars, c'est un truc complètement dangereux et vous... Putain, c'est pas possible. C'est pas possible. C'est qui est aussi con que ça? Je veux dire, faut être con comme une pine, quoi. C'est... Et voilà! Des munibitch! Parfait! Vous en pensez quoi? Faut être con pour faire ça, non? Enfin, je sais qu'ils sont en guerre, mais... Oh, jouet sphérique, on peut pas le mettre dans notre... Oh, j'ai envie de le mettre, attendez. Tac, je vais le mettre dans mon vaisseau. C'est pas là où on a vu un coffre. Un coffre à proximité. Ouais, ouais. Nous pourrions faire usage de son contenu si vous disposez de quoi l'ouvrir. Et d'un mépris total pour la propriété d'autrui. La propriété d'autrui, il est là. Oh, c'est quoi ça? La propriété d'autrui, regarde, il fait le bisou au sol. Il est mort. J'ai rien pour l'ouvrir. Ah si, regardez, ils sont généreux. C'est quoi ça? On est mort. On est tous morts. Oh là là. Le centre de communication a été détruit. Plus rien ne fonctionne. Impossible d'appeler des renforts. Ah. Oh, ça faisait longtemps, hein, que j'ai pas eu autant de... Je sais pas, ça m'a fait quelque chose. Putain, le mec, il a... Putain, la VF, elle est bien, quoi. De ouf, quoi. On en a quoi? On en a 2. Ça devrait aller avec lui. Là... Oh non. Oh non. Ah si. Ouais, parfait.
Ouais, crédit. Ouah, c'est quoi ça? Kraken, pistolet épique. Plus 10% dégâts. Ouais. Ouais, mais le problème... C'est du 6,50. Je vais le mettre là. Et ça ici. Au cas où si on a besoin d'une arme, au moins on a ça. La vache. Ils sont tous fait tuer avec leur connerie quoi. Du Rick Bulbo, je prends. Eh merde. Eh merde, eh merde. Est-ce qu'on peut sauvegarder avec le F5? Ouais, parfait. On fait comment là? C'est par là? Attendez. Ah ouais, c'est par là, ouais, je suis con. Accéder au toit. Oh là 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 là! On est toujours pas dans le toit. Enfin, sur le toit. Je prends. Je prends. Caisse scientifique. C'est quoi? L'argon, ouais, bon, ça je prends. Crédit, je prends. Déchiqueteur, arme au corps à corps, ouais, ça m'intéresse pas. Toxine, je prends. Je prends, on pourra faire peut-être, peut-être des kills. Non, mais c'est quoi ça? Oh punaise. A changé de capitaine? Vous bossez avec Barrett ou vous avez pris son vaisseau après l'avoir descendu? Pourquoi vous en voulez à Barrett? Tiens d'ailleurs. On n'a aucun problème avec Barrett. On veut juste ce vaisseau, le Frontière. Et si c'est vous le capitaine maintenant, c'est vous qui avez... Ah! Donc ça sert à rien que je lui dise que je l'ai tué parce que dans tous les cas, il n'y aura rien à foutre. Je fais partie de Constellation? Non, pas du tout. Je fais partie de rien du tout pour le moment. On m'a juste passé un vaisseau. Bon, bah écoute, on va l'attaquer de toute façon. Ouais, ouais, on va se marrer. Allez, allez. Alors, déjà. Allez. Alors, santé est faible, appuyez sur. Ouais, ouais, ouais. Allez, hop, me soigne. Est-ce que je peux. Ah, comment on fait pour... comment on fait pour utiliser mes mines? Ah, voilà. Voilà. Parfait. 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 Faut que je cours. Je vais me mettre là. On va attendre qu'ils arrivent. Allez, prenez-vous mes... Parfait, ça c'est bon. Allez, Vasco, il faut que tu m'aides là. Il y a un peu du monde partout. Oh, dans la tête. Allez. Il y a des mecs là-bas, regardez-moi ça. Allez, 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 allez. Ouah, je suis dans la merde intersidérale, hein. Ah ouais, il revient jusqu'en... Oh là 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 là. Et d'un... Ouais, t'inquiète pas, t'inquiète pas, t'inquiète. Parce qu'il a, il a un petit pet au casque. Allez, 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 allez. Voilà. Parfait. Non, je vais pas faire un... Il faut qu'on aille les looter là-bas, on va les looter. Je prends pas. On va aller les loot. Et je vais... Le seul problème, c'est que si je me barre de là... Je peux récupérer mes...
Parfait. 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 Non mais, on va pas se laisser emmerder, non ? Je les vois, ils sont là. Voilà. Ouais, je le vois. Je vois. T'inquiète pas, Vasco, merci beaucoup. Ils me font juste des dégâts de malade. Faut que je m'avance. J'ai plus que 13 balles. Hein. Ah, il s'enfuit. Genre, il est... C'est moi ou il les laisse sur la planète? Il les laisse se démerder sur la planète. Oh, punaise. Bon, il va me falloir mon arme... Allez, laisse tomber, il s'enfuit. Non? Ah non, il s'enfuit pas. Il est là. Putain, mais j'arrive pas à aller. Allez. Putain, ils sont quatre encore. Voilà. Ok. Bon, je regarde s'il n'y a pas des trucs à loot. Ouais, ils me disent de faire un voyage rapide, mais j'ai pas envie de faire un voyage rapide. Je vais m'en occuper, je vais les fighter. Extincteur, je vois pas à quoi ça pourrait m'aider. Là, il n'y a rien. Et là-haut, il y a peut-être un truc quand même. Hein. Ça me titille. On met pas une zone de jeu comme ça immense pour rien. Non, y a rien. Non. De toute façon, on va avoir des interférences avec ces gens-là parce que vu qu'on les a butés, ils vont revenir se venger. Ah, j'avais raison. Kit de soins. Ah, ça c'est chiant. Ça me prend directement. L'item est en bas et quand tu sélectionnes, ça te... Je m'en fous. Favori ici. Ça peut virer. Et ça, je vais l'en mettre là. Ben voilà, comme ça, j'ai mes munitions, enfin mes armes qui sont, voilà, qui sont bien calibrées. C'est parfait. Vasco, il monte jusque là. Ok, parfait. Et ben on descend. Phew. C'était assez violent. Je suis vraiment pas fait pour le combat hein, pour le moment. Notre vaisseau est là-bas, parfait. Mais il est où? Oh punaise. Ah ouais. Comment je fais? On peut pas... Ah, faut que je descende directement? La détection d'ennemis s'est interrompue de manière inattendue. Démarrage du protocole de recherche. Donc là, si je vais directement à mon vaisseau... Parce qu'en fait, là, je l'ai dans l'os, quoi. Réparer. Ah oui, on peut le réparer, d'accord. Soute. D'accord, on peut aller directement sur le vaisseau, ok, et l'examiner et faire ce qu'on a envie. Mais moi, c'est pas ça qui m'intéresse. Mettre le cap. Je sais pas comment on fait pour retourner à son vaisseau. C'était marqué, ouais, mais... Le problème, c'est vu que j'étais pris dans le... Si, tu détectes rien. Tes capteurs, ils sont un peu foutus, Vasco. Allez, je passe par là. Voilà. Il est mort. Parfait. Et là, t'es pas loin. Putain, c'était assez violent, quoi.
C'était par là, hein. Ouais, c'était par là, regardez. Survie de pirate. Sac. Non, ça m'intéresse pas. Ouais, il y a eu un problème de... Un problème au niveau du bruit. Parfait. Fou. Eh ben. Ça, je prends. Donc, ça, c'est fait. Oh, il y a un truc là-bas. Inconnu. On va aller voir. On va aller voir ce que c'est. Je sais qu'on pourrait littéralement partir. Mais ça m'intéresse pas plus que ça. Alors, vous n'avez plus d'oxygène. Tout effort supplémentaire entraînera une accumulation de CO2. Ah oui, ouais, d'accord. Oh, putain, il va falloir faire gaffe, ça. Il va falloir faire gaffe de ouf. Ça, on l'avait scanné, on l'avait tué, ça, je me souviens. On a un truc à visiter plus loin. Je vois qu'il est là-bas. Et on en a un autre qui est encore plus loin. Eh ben, comme ça. Je vais aller voir. Allez. Voilà. De l'argent. On est à 4 sur 8. Hein. Eh ben. Regardez-moi ça. Regardez ce truc là. Je sais pas ce que c'est. Surtout que des complexes comme ça, ça se voit quoi. Ça peut pas être caché. Ils auraient dû. Ah, y en a un autre là-bas. Je suis perdu. Je suis perdu. Ça me dit qu'il y a des animaux, mais je les vois pas plus que ça. Bon, eh bien écoutez, on avance. Je vois qu'on a une espèce de fumerole là. Ça, je sais pas si je l'avais scanné. On arrive, on va voir ce que c'est. Du plomb. Ça, on l'avait pas. Oula, oula, oula. Alors, c'est des frises dues au jeu, hein, les enfants. Je suis pas le seul à avoir des frises comme ça. Du fer, du plomb. On a encore du plomb. Je sais pas ce que vous en pensez. Mais ça avance pas beaucoup. Oula, ça charge la map, quoi. Je sais pas ce que c'est. Je sais pas du tout ce que c'est. Je sais pas. Ah, il y a de l'eau. On a de l'eau. Ça, on l'avait fait. Je suis complètement perdu. Excavation abandonnée. Oh. Du fer. Qu'est-ce que c'est que ça? Chaleur extrême. Ça va. Je suis pas non plus crevé, quoi, les gars. Là-bas, on a autre chose. Et là-bas, on a autre chose. On va aller voir ce truc, là. Allez. Hop. Oh non, je peux pas. Allez. Parfait. Allez. Vache.
C'est quoi ce merde? Putain, il y avait un temps de latence pour lui tirer dessus. Cette arme bug. Déjà, il y a des mecs là. J'aimerais bien savoir ce qu'il y a là-haut. Je vois qu'on peut... Eh ben, prends tes tirs. Allez, on y va. Pourquoi c'est rouge là? Qu'est-ce qui se passe? Je crois que j'ai mon arme qui me... L'arme du PNJ bug. Allez, recharge. Ça c'est fait. Ça c'est bon. Ça c'est plié. Je suis un peu sur le cul qu'ils aient pris quand même une base comme ça aussi grande. Wow, c'est quoi ça? Je crois que c'était des mines. Je suis j'ai été formaté par Fallout. Merde, je peux pas l'ouvrir ça. C'est quoi? Expert. Ah oui, bah oui, alors là, je cherche même pas. What the fuck, par qui? Qui c'est qui me tire dessus là? Eh, c'est bugué là, on est d'accord, hein. Ça me dit que ça. Ça c'est. D'accord, ok, c'est complètement bugué. Ah. Ouais, il est bugué. Mon arme est buggée. C'est pas grave. On va essayer de se démerder. Oh, mais regardez tout ce qu'il y a! Fusil à peupon. Le prends. Kit de soins. C'est moi où il y a des gens là. Vous voulez nous tuer et vous emparer de nos possessions. Je vois des il y a des il y a des trucs partout. Oh, il y a du monde partout. OK. L'installation enfin l'installation fonctionne encore, j'allais dire qu'elle était abandonnée mais elle fonctionne encore. Il n'y a personne ici, ils sont tous en haut. Ouais, ouais, ouais. Enfin là, on n'est pas mieux, hein. On va... Ouah ! Il est sérieux, lui ? D'accord, ok, merci le jeu. Je... Hop. Bah non, j'ai pas perdu, je viens vous botter le cul là. Vous prenez possession des lieux qui vous regardent pas. Ah. Ah, lui, il est... ça a l'air d'être un boss. Attendez. Voilà. Allez. Ouais, il est aussi proche que ça pour mettre une mandale. Allez, le casque. Les soins. J'ai l'impression qu'ils pop un peu aléatoirement. C'est pour ça que j'ai des... le viseur qui devient rouge quand je regarde. Ça, c'est qu'ils ont pas dû charger en fait. Allez. Ça c'est bon. Double whisky. Je sais même pas où on est. Hein. Enfin, c'est à côté de là où on devait aller, mais... Pourquoi on insiste sur cette planète? Je ne sais pas. Peut-être pour ça. Alors toi? Oh là 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 là, putain, on a du matos. Allez, on en a plus que 4. Ça, c'est fait. Ah non, plus que 4 maintenant. Il y en avait 3. Oula, oula, oula. Ils sont...
Ils sont là-haut. Ils sont là-haut, ils sont là-haut. Voilà. Et on a le chef. On a le... Je l'ai vu. Je l'ai vu. Lui, il est mort. Il est là-bas. Regardez, regardez. Waouh, il s'est fait sauter lui-même. Quel grand génie. On arrive. Ouais, les sauts qu'il fait, lui. Allez, allez, allez. Il est tombé. On y va. Oh, il est là. Il est buggé. Regardez, il est buggé. Il est bug. Voilà. Ouais, bug Tesla. Mais bon, c'est pas bien grave. Et on va s'occuper des derniers. Ouah, comment... Eh, en fait, c'est le viseur qui me fait tout bugger. Parce que je crois que le viseur recrée un monde dans lequel... en fait, ce qu'on vise, ça recrée un monde. Je pense que c'est ça. Ça fait tout planter. Eh ben... Allez. Zou, on arrive au bout. C'était un peu la panique. Pas de panique à porte. 2009 fragmentation de l'enduit. Ça, je prends. Eh ben, dis donc. Regardez-moi ça. Ça, c'est stylé, quoi. Tout ce qu'on a récupéré. Bon, il n'y avait pas de lore, il n'y avait rien, c'était juste du combat. Je l'ai vu dès qu'on a commencé à défourailler en bas. C'est pour ça que bah, j'y suis allé directement, je les ai fightés. J'ai compris que voilà, c'était du combat pur et simple. Là-bas, on a un truc à aller voir qui n'est pas si loin que ça. Je crois que c'est un petit truc à découvrir. Et on a un autre petit truc à découvrir là-bas. Voilà. Hop, ça s'est plié. Phew. Je sais pas si on pourra stocker un... C'est quoi ça? Attendez. On a un truc de fou là. Ah oui, c'est vrai, je peux pas courir comme un dingue. Voilà. On est à moins de 400 mètres. Franchement, cette petite lune, enfin, ce petit planétoïde, plutôt intéressant. Même si, bon, c'est pas à s'arracher la rétine parce qu'on est. J'ai l'impression d'être sur No Man's Sky. Hein. Là, je vous le dis. Hein. Vraiment l'impression d'être sur No Man's Sky. Mais. Oh, on l'avait vu, ça, mais. Mais c'est pas grave. Il y a des fumerolles un peu dangereux là quand même. Ça se tire dessus. Ça se tire dessus. Je sais pas ce qui se passe. Ça tire. Ah! On doit les scanner en plusieurs fois. D'accord. Bah, fallait me le dire. 38% de scan fait. J'étais pas au courant, moi. ...50% de scan effectué. C'est qui, eux? C'est qui? Des spaciards? C'est quoi ce merdier? Ah, des orimorphes! Il y en a!
Allez, viens là. Petite... Je vais mettre des petites mines. Je sais pas ce que c'était. Ça monte ou ça monte pas? Allez, on le fume. Attendez. J'ai les... Ah, j'en ai encore. Allez. Voilà. Ouah, ça m'a tué. Ah, je suis contorsionniste. Oh, punaise. Et j'ai des points aussi à mettre. Je suis parti dans l'exploration totale et irrémédiable. Oh, punaise. Ah. C'était n'importe quoi de A à Z. Oh, non. Oh, non. Oh, non. Oh, merci le jeu, quoi. Merci. Oh là 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 là, merci le jeu quoi. Merci. Ah je suis mais dégoûté quoi. Ouais, t'inquiète pas. C'est pas ça que je voulais faire. Mais... Ah, je me suis fait troll par le jeu, quoi. Ah, j'ai un... Ah, la sauvegarde automatique n'y était pas. Allez. Voilà. Merci. Allez, cette fois-ci, on va pas s'aventurer ailleurs. On a fait tout ça pour rien. Oh, punaise. Allez, on va s'occuper d'eux. Allez, c'est parti. Aïe, 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 aïe. Aïe. Allez. On y va. Ça, c'est bon. T'as tout ça pour rien, quoi. Je suis dégoûté. Ça c'est bon. Il a un croque au chocolat. Ça c'est bon. Ah, ils viennent te chercher hein, quand même. Ils viennent. Hein. Allez, 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 allez. Et voilà. À deux munitions près, j'avais plus rien. Phew. On se casse de là. On se casse de là. Ça m'a deg. Ça m'a deg direct. Ouais, mais t'avais qu'à sauvegarder. Ouais, ouais, je sais, mais bon. L'habitude, à force, qu'on se fasse sauvegarder tout à notre place. C'est vrai, hein, c'est vrai, c'est vrai. Hein, c'est malheureux. Hein. Mais bon. C'est comme ça, c'est comme ça. Oh la vache, quoi. Phew. On va laisser tirer, on entend tirer là. Bon, et ben. C'était un sacré merdier. Montez à bord. Capitaine, pour rejoindre la loge, nous devons sauter jusqu'à la planète Jenison dans le système Alpha du Centaure. Ah ouais. Atterrir dans la ville de New Atlantis. Ne vous inquiétez pas, très vite, ça deviendra comme une seconde nature. Et bon, on verra ça. Allez, on décolle. On s'en va de là. Alors, la planète Jamison, on fait comment? Ah oui, on peut y aller directement ici, on dézoome. C'est où Jamison? Ah, mais il y a des vaisseaux, il y a l'Hyperia, mais il y a plein de trucs. Contact du détecteur, il y a un vaisseau,
il y a une station spatiale, il y a une deuxième station spatiale. J'ai juste envie de... C'est quoi Hyperia? C'est une lune? Pas scanner. Il y a une station, là. Ah, on peut pas y aller. Bah, de toute façon, on va le faire, comme ça, après, on sera tranquille, on pourra se balader partout. Parce que je peux même pas aller dans une station, je peux rien faire, on est vraiment dans le tutoriel. Ok, comme ça, c'est fait. Alimenter l'astromoteur. L'astromoteur, tac, tac, tac. Ah oui, alors, faut que j'enlève peut-être ça. Voilà, c'est fait. Ok, bah allez-y, hein. De toute façon j'ai rien sur moi. Scan terminé, pas de contrebande détectée. Autorisation d'atterrir à New Atlantis. Oh. Oh. Hey, pour le moment on peut rien faire. C'est-à-dire que, vous voyez, là moi j'aime bien la quête principale et tout, hein. J'adore ça dans les jeux. Mais moi j'ai envie de voir tout ce qu'il y a à côté, les vaisseaux et tout. On peut... Ah là là, on peut pas le faire pour le moment, donc obligé d'y aller. Obligé d'y aller, et c'est dommage, je trouve que en... là ça fait quoi, 2h30 que je live, en 2h30 on arrive sur la ville la plus grosse du jeu, quoi. Bah bon, il y a du monde, hein. Il y a du PNJ. Hein. Je peux enlever mon casque là, non? On est obligé de garder cette tenue. Tenue de... Ah, voilà. Putain, cette tête. Tenue frontalier. Ça, c'est pété, ça. Ah, et on a cette tenue-là. Ouais, mais elle est moins... Hein. Ah, je vais garder ma tenue de frontalier, qui est quand même stylée. Ah ben ça va l'enlever directement, non? Allez, on est parti. Oh là 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 là. Est-ce que ça m'a enlevé ma tenue? Pas du tout. Pas du tout, du tout. Je peux changer ma tenue, là, les gars, quand même? Non, 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 enlève ton arme, j'ai pas envie d'avoir de soucis. Oh là là, regardez, je suis en tenue de frontalier. La la la, la 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 la. Oh là. Attendez, 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 il nous faut quand même un imprimé écran. Digne de ce nom. Et là, tu fais... Alors attendez, tac, 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 alors attendez. Ah, je me suis fait troll. Ouais, parce que mon imprimé écran, maintenant, c'est chiant. C'est que c'est comme ça. Oh là 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 là, la loose. Hein. Merci Vasco, quoi. On va y arriver. Voilà. Là. Allez. C'est pour la chaîne. Ah. Eh bien, écoutez, les amis, on va s'arrêter là. Pour cette découverte, tout simplement, parce que c'était... Enfin, il faut que je gère tout le live. Ça fait 2h30 qu'on tourne. Nous sommes sur New Atlantis. J'espère en tout cas que ça vous fait plaisir. N'hésitez pas à mettre des commentaires, à vous abonner sur le Twitch et sur le YouTube. Pour l'heure, moi, je vous dis à très bientôt. Je vous remercie tous d'avoir été là pour ce début de reprise de live, voilà, qui a duré 2h30. Pour un début, c'est plutôt pas mal. Pour l'heure, je vous fais d'énormes bisous. Je vous remercie tous de votre fidélité. Salut tout le monde !